Yes, we are live. My people, my people, thank you so much for being here. Welcome back to You and I Talk Show with your favorite outsiders, Louise Wacho, in the building. People, I'm so happy to be here. Happy New Year. Welcome back to a new season, New Year with You and I Talk Show. Today, the show is going to be in French. My English people, you are welcome to stay with us. Learn some French and learn some Kinyarwanda. We're going to start in French for at least 30 minutes, and then we're going to move into Kinyarwanda. Our guest is a Rwandan politician in France. So that's what we're doing, the first part in French, and then we continue on in Kinyarwanda. Merci d'être là, les amis, avec nous aujourd'hui. Ça va être chaud, ça va être chaud, les amis. Je vous ai dit que ça va être le feu, ça va être le feu. La raison pour laquelle on dit que ça va être le feu, c'est qu'en Kinyarwanda, on dit Ukungu chamuzi konibushi. Ça veut dire il n'y a que la vérité qui traverse le feu sans jamais brûler. Donc, aujourd'hui, nous, tout ce qu'on va faire, c'est allumer le feu et puis la caméra, traverser le feu. Si ça brûle, ce n'est pas de notre faute. You know what I mean? Donc, merci à tous ceux qui sont là. Ooh, all right, les amis, merci. Merci à tous ceux qui sont là. Je vous vois. Ok, alors, on est ensemble. Eh hey, non, ça va être trop chaud aujourd'hui, ça va être trop chaud. All right, les amis. Donc, je vous amène tout de suite notre invité sans tarder. Et puis, on commence le bombardement intellectuel tout de suite. On commence. Je vous amène notre invité tout de suite. Alors, Monsieur Thomas Nahimana, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Comment allez-vous? Bonjour Louise, je suis très heureux d'être sur ce plateau. Et j'en profite d'ailleurs, puisque c'est la première fois, pour vous formuler à votre endroit, ainsi qu'à l'endroit de vos auditeurs et auditrices de You and I Talk Show, les vœux les meilleurs pour cette année 2022. Donc, je serai très heureux d'échanger avec vous, de discuter avec vous, ainsi que vos auditeurs et auditrices. Et sinon, je me porte bien, je suis très à l'aise aujourd'hui. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci. Merci d'être là. Alors, pour le public, pour ceux qui ne connaissent pas notre invité d'aujourd'hui, il s'appelle Thomas Nahimana et il est connu comme le président d'un gouvernement rwandais en exil depuis 2017. Et puis, il a aussi été le leader du parti Ishema et il est donc un candidat de l'opposition au présidentiel de 2004 au Rwanda. Alors, commençons par les grandes questions. De toute façon, ça va être que les grandes questions. Donc, on dit que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Donc, est-ce que vous pensez que le peuple rwandais méritait un dirigeant justement comme Kagame? Et puis là, est-ce que vous pensez donc que c'est vous que mérite le peuple rwandais comme le prochain dirigeant du Rwanda, étant donné que vous êtes allé en politique et que vous vous êtes déjà aussi déclaré président d'un gouvernement formé en exil? Donc, pouvez-vous nous dire ce que mérite le Rwanda, le peuple rwandais comme leader, et en quoi est-ce que c'est vous que mérite le peuple rwandais comme leader? Merci.
Merci beaucoup, Louise, pour cette question. Vous avez commencé par cette citation que le peuple ou tout peuple a les dirigeants qu'il mérite. C'est une assertion à peu près philosophique pour dire que le niveau d'évolution du peuple conditionne le type ou la nature des dirigeants qu'on a, que le peuple a. J'avais dans une autre émission, j'ai été amené à parler d'une autre citation qui disait que un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Le comportement du peuple crée ses propres chefs en fait. Il y avait un proverbe en Kinyarwanda aussi qui disait Umutware w'abatwa niwubategeka, sans connotation aucune anti-ethnique. Mais c'est pour dire la même chose en fait. Si le peuple a accepté pendant 30 ans un dirigeant, j'allais dire un dictateur totalitaire comme Paul Kagame, et que ça a marché pendant 30 ans, évidemment, le pouvoir, le régime lui était imposé, il était imposé au peuple, mais le peuple, pour avoir supporté tout ça, eh bien, a permis que ce régime puisse résister pendant les 30 années. Mais si le peuple s'était révolté, si le peuple avait refusé ce régime, eh bien les choses auraient changé. Nous disons ça le jour où nous avons assisté, il y a seulement quelques heures, à une première manifestation depuis 30 ans, d'un groupe de Rwandais qui disent qu'ils en ont assez. C'est les motards. Et je pense que c'est le début de tout un changement. Donc vous posez la question si le peuple mérite mieux. Je suis sûr que le peuple mérite mieux. Et comme je suis sur la scène et que j'ai décidé de m'engager avec d'autres, je ne suis pas seul, pour apporter ce changement à ce peuple qui a tant souffert de la dictature depuis 1994 au moins et la guerre depuis 1990, c'est parce que je crois que je peux apporter quelque chose, que je peux apporter à mieux. C'est parce que je porte un projet. Un projet unir pour bâtir une nation rwandaise, parce que je crois profondément que le peuple rwandais mérite mieux, qu'il ne mérite pas de toutes ces divisions que nous avons connues, toutes ces guerres que nous avons connues, tous ces assassinats qui continuent d'ailleurs, tous ces génocides, que le peuple mérite de vivre en paix. Et voilà, donc nous portons un projet, un vrai projet, et que le peuple aura l'occasion d'apprécier. Et s'il choisit ce projet et nous soutient, eh bien, en ce moment-là, nous serons les leaders que ce peuple mérite. Nous formulons notre projet, nous posons des questions aux gens, nous connaissons les attentes de notre peuple, mais c'est au peuple, à un certain moment, de choisir ses dirigeants. S'il nous choisit, alors là, on sera fiers et très heureux de pouvoir, pendant le mandat ou les mandats qu'ils vont nous confier, de pouvoir porter ce peuple à ce bonheur qu'il mérite. Voilà. OK. Donc, vous dites vous-même que c'est le peuple qui doit choisir ses propres dirigeants. Et puis, évidemment, vous supportez la démocratie étant un système où c'est le peuple qui choisit ses propres dirigeants. Vous supportez aussi l'idée de la République aussi étant un système où c'est le peuple qui choisit ses propres dirigeants. Mais malgré ça, vous vous êtes quand même déjà autoproclamé président, sans avoir été élu par qui que ce soit. Pouvez-vous nous expliquer cette contradiction? Si vous supportez la démocratie et la République, comment alors pouvez-vous vous déclarer président sans qu'il y ait eu aucune élection digne de son nom? Merci beaucoup de poser cette question parce que là, il faut revenir au contexte. Nous sommes en train de dire que nous avons un gouvernement de loup qui s'est imposé aussi par la guerre, qui est là, et qui a supprimé tous les droits au peuple. Et à chaque fois, je pense à une citation, parce que cette citation est fondatrice. C'est la Déclaration de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. C'était en France, c'est l'article 2. Pourquoi, en fait, on s'engage en politique? Pourquoi on doit essayer de trouver les moyens de se battre, que ce soit pacifiquement ou que ce soit militairement, parfois ça s'impose, pour retrouver
les droits essentiels dont on est privé. Et cette citation dit, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Et ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Une fois que le peuple constate qu'il n'a plus, qu'il est privé de sa liberté, comme c'est le cas au Rwanda, qu'il n'y a plus de droit à la propriété privée, comme encore une fois c'est le cas au Rwanda, qu'on n'est plus sûr ni des institutions, ni de ses autorités dans son propre pays, et qu'on n'a même pas le droit à la résistance, donc le droit de résistance à l'oppression, alors on s'engage dans la résistance. On peut s'organiser suivant les formes qui sont possibles. Vous parlez de notre gouvernement, mais c'est un gouvernement à l'extérieur du pays. On ne s'est pas imposé au peuple à l'intérieur du pays. Si la voie était ouverte, si la scène politique était ouverte, ce serait une contradiction de dire qu'on a un gouvernement. Mais parfois, les exigences de la résistance font qu'on soit obligé de s'organiser. On peut s'organiser en parti politique, on peut s'organiser en association. Et les gouvernements en exil, nous ne sommes pas les pionniers dans ce sens-là. Il y en a eu plusieurs, les peuples qui ont essayé de s'organiser. Mais il y a un petit secret, parce que vous êtes sans l'ignorer, que j'ai milité dans les partis politiques, d'abord dans la société civile. Moi, je suis essentiellement prêtre catholique, donc j'ai milité dans les associations civiles, plutôt de la société civile. Et puis, nous nous sommes organisés en parti politique, encore une fois, en exil. Si on avait été dans le pays, ça aurait été mieux. Et je sais pourquoi on a évolué un tout petit peu pour commencer à se former, à former la conscience des gens, à savoir comment fonctionne un gouvernement, parce que j'ai estimé que c'était le temps, qu'il était temps de pouvoir s'y former. Ne vous en faites pas, on en a besoin, surtout en exil, de savoir comment un gouvernement peut fonctionner, de savoir assumer certaines charges, même si c'est à l'extérieur, même si c'est presque symbolique. Mais toute organisation, c'est le secret de la réussite politique. Donc là, ce n'est pas un gouvernement qui s'impose par la force ou par autre subterfuge. C'est une organisation tout simplement politique qui essaie d'aider le peuple rwandais à résister pour enfin espérer arriver un jour à l'ouverture de l'espace politique au Rwanda, parce que si l'espace politique s'ouvrait, eh bien on ne rentrait pas comme gouvernement au Rwanda. On rentre, on forme des partis politiques, on parle au peuple, on expose notre projet et puis les choses deviennent normales. Donc en pensant à notre gouvernement, ne pensez pas à quelque chose qui s'impose par la force au peuple rwandais. C'est un type d'organisation qui convient, qui a ses limites, évidemment, puisqu'on est à l'extérieur du pays, mais qui a ses avantages aussi, avantages diplomatiques que n'ont pas les partis politiques, avantages d'éduquer la conscience de ses membres à prendre des responsabilités. Et tout ça, vous verrez peut-être plus tard, quand l'espace politique sera ouvert au Rwanda et qu'on pourra s'exercer, se présenter aux élections normalement dans un pays où le droit, où la loi prévaut. Eh bien, voilà. OK. Donc, le fait que vous vous êtes déclaré président et que depuis que vous avez commencé votre gouvernement, vous avez quand même eu plusieurs premiers ministres, vous en êtes à votre troisième premier ministre. Mais il n'y a que vous qui avez été président de ce gouvernement depuis le début. Donc, est-ce que pour quelqu'un qui est pour la démocratie, qui est pour les élections, être président sans avoir été élu et qu'il y ait eu ces changements dans votre gouvernement, que vous en êtes votre troisième premier ministre, mais qu'à la tête, ça ne change pas, est-ce que ce ne sont pas des signes de dictature un peu parce qu'il n'y a que comme leader, et c'est un leader sans élection, un leader autoproclamé, et le gouvernement a changé, les premiers ministres ont changé, mais vous n'avez pas changé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette dose de dictature que vous combattez, justement, où on a un problème au Rwanda, où nous avons un seul président, et rien ne change, et le président reste président à vie? Donc, comment voyez-vous ça?
Merci, Louis, de poser cette question. Encore une fois, il faut revenir au contexte qui a vu naître ce gouvernement, parce que c'était en 2000, tout a commencé en 2017, et le gouvernement rwandais nous a refusé l'entrée sur le territoire pour la deuxième fois, parce que la première fois, c'était au mois de novembre 2016, où nous partions exactement pour fonder un parti politique au Rwanda et pour nous présenter aux élections. J'avais été désigné par mon parti aux élections présidentielles de 2017. Et voilà que le gouvernement de Paul Kagame nous a complètement refusé l'entrée sur le territoire. Il nous a déclaré persona ou personne non grata ou non grata sur notre territoire. Et ça, c'était un problème. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons proposé à toute l'opposition en disant, nous avons une nouvelle expérience. Là, on partait libre pour participer normalement à des élections dans notre pays et nous avons le droit de le faire, mais ce droit nous est refusé. Est-ce qu'on peut s'organiser autrement? Est-ce qu'on est en droit d'organiser un gouvernement en exil, comme tant d'autres peuples l'ont fait avant nous? Et voilà, il y en a qui ont accepté de venir, de répondre à notre appel. Il y en a d'autres qui ont estimé que ce n'était pas nécessaire, ils ne l'ont pas fait. Alors, on s'est retrouvés à Paris, on était une bonne trentaine, et on a parlé de la situation et on s'est organisé. Et je ne me suis pas imposé comme président. En fait, on a fait des élections, même si on était un groupe de 30 personnes. Alors là, il faut savoir qu'en fait, les gouvernements sont des vrais gouvernements pour ceux qui les acceptent. Alors, on a même composé, non pas une déclaration, mais une loi fondamentale pour ce gouvernement. On a une charte qui régit ce gouvernement. Et c'est en vertu de cette charte que nous fonctionnons jusqu'à présent. Donc, je ne suis pas encore un président à vie, puisque je ne suis président que depuis 2 ans. Donc, jusqu'à présent, je n'ai, à l'intérieur, vous pouvez poser la question aux membres de ce gouvernement, s'il y a dictature à l'intérieur, puisque eux savent comment ça fonctionne, ils vont certainement vous dire que ce n'est pas le cas. Alors, par rapport au Premier ministre et d'autres ministres d'ailleurs, nous, on est un gouvernement qui a ses limites. On est des bénévoles. On n'est pas payé pour ce que nous faisons. Chacun s'engage dans la limite de ses forces. Il y en a qui rentrent, il y en a qui partent quand ils veulent. Personne n'est forcé de rester, surtout que personne n'est payé pour rester à ce gouvernement. Il y en a qui ont décidé de partir. Ils ne sont pas partis en disant, ah, il y a une dictature qui fait rage dans ce gouvernement, je m'en vais. Personne. À l'intérieur actuellement, vous pouvez poser, il y a un premier ministre encore et nouveau qui a fait, à mon avis, la différence depuis un an, qui s'appelle Jean-Paul Nagara, avec qui on s'entend très bien, d'ailleurs avec tous les membres du gouvernement, je les apprécie beaucoup, et lui particulièrement. Nous trouvons que ça fonctionne. Si demain, en vertu de cette charte, il décidait de choisir un autre président, on ne sait jamais, on peut tomber malade, on peut se sentir fatigué, on peut ne plus être apte à continuer à diriger le groupe. Chez nous, tout est ouvert. Chez nous, on discute beaucoup. Donc, loin de nous, l'idée de dictature, mais reconnaissez les limites qui sont inhérentes à un gouvernement qui est en exil, qui n'a pas le soutien du peuple comme on le voudrait. Ce n'est pas encore un gouvernement à l'intérieur du pays, c'est une façon de s'organiser, mais j'estime qu'il est de loin meilleur à l'organisation des partis où nous étions avant. Je compare à ce que j'avais avant. Là, je pense que je vais vous dire une chose. Dans un parti politique, il y avait des femmes et des hommes qui avaient évolué avec moi dans ce parti. Mais tout parti est fermé, en fait. Tout parti ne donne pas l'occasion, par exemple, de travailler avec les gens qui viennent d'autres partis, sauf si vous faites une coalition. Pensez que notre gouvernement est une sorte de coalition où on peut accueillir d'autres qui veulent s'engager venant d'autres partis, venant de la société civile, ce qu'un parti politique ne donne pas. Donc, c'est ces avantages que j'estime très intéressants dans le cadre de la résistance où nous sommes. Voilà tout. Merci. Alors, la prochaine question, c'est, vous avez dit plusieurs fois que vous voulez négocier avec le FPR de Kagame, le parti au pouvoir. Alors, la grande question, c'est pourquoi est-ce que le FPR négocierait avec vous? Vous savez très bien qu'ils ont négocié avec Habyarimana sans aucune sincérité, tout en continuant la guerre. Ensuite, ils ont assassiné le président rwandais
et le président burundais. Ça a déjà été, il y a eu plusieurs recherches là-dessus, que c'est le FR et Kagame qui ont assassiné deux présidents africains pour prendre le pouvoir, malgré qu'ils avaient demandé négociation de paix, malgré qu'ils étaient en négociation de paix. Alors, pourquoi même vouloir négocier avec le FPR, sachant pertinemment que le FPR n'a jamais été sincère dans les négociations et que malgré qu'ils étaient dans les négociations et qu'ils ont obtenu presque tout ce qu'ils voulaient dans les négociations, ils ont quand même préféré assassiner le président, deux présidents africains pour prendre le pouvoir. Donc, pourquoi vous voulez même négocier avec ce genre de personnes et en sachant qu'ils n'ont jamais été sincères, pourquoi ils seraient sincères avec vous dans les négociations et surtout, vous n'avez pas de pays, vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas plus d'argent que eux. Pourquoi négocierait avec vous et puis vous aussi, pourquoi vous voulez négocier avec eux? Alors, vous venez d'utiliser le terme jamais. Mais jamais ne s'emploie pas en politique. Parce que la politique, c'est la gestion de l'intérêt général. On est obligé d'être toujours en négociation. En fait, les meilleurs politiciens, vous les verrez, à leur capacité de négocier. Parce que c'est négociation permanente avec les collaborateurs, avec les autres partis, avec tout le peuple. C'est la nature même de la politique. Sauf si vous disiez, nous, on a trouvé une solution. Tous ces gens du FPR, on les passe par le par l'épée, j'allais dire, et comme ça, le problème est résolu. Mais en politique, les problèmes ne se résolvent pas comme cela. L'ami d'hier peut passer devenir ennemi. L'ennemi d'hier peut être votre ami et votre collaborateur. Ça dépend de votre capacité de négociation. Tout en disant cela, je reconnais que le groupe du dictateur du FPR est très difficile à vivre, de vivre ensemble. Ils ont montré leur preuve. Ils ont pris le pouvoir par les armes. Ils ont massacré beaucoup de gens, mais ils sont toujours là et ils sont rwandais. On n'a pas d'ailleurs où les envoyer, où les mettre. On serait très, très fort en politique si on pouvait trouver une solution dont ils font partie. Là, on aurait trouvé la réponse. Parce que s'il faut les chasser pour qu'ils partent en exil et que nous rentrons dans le pays et qu'ils doivent continuer à se battre, eh bien, on n'aura pas trouvé les réponses. Je ne suis pas naïf, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que ce groupe ne lâche rien. Mais nous croyons aussi à la force du peuple. Nous croyons que le peuple peut faire plier ce groupe. Je n'aime pas dire les chasser du pouvoir, même si parfois c'est le cas. Le peuple peut chasser des dictateurs du pouvoir. Mais nous, on garde cette volonté politique de pouvoir négocier avec tout le monde, même avec eux, malgré la criminalité, le taux de criminalité et qui est inhérent, parce que nous savons ce qu'ils ont fait quand même. Nous connaissons leur bilan. Ils sont là depuis le 1er octobre 90. Ils sont là, on les connaît, ce qu'ils ont fait. Donc, négocier, on ne manquera pas de négocier. S'ils n'acceptent pas de négocier, eh bien, on fera appel à la force du peuple pour changer ce pouvoir. Et c'est justement l'handicap majeur que nous avons dans l'opposition rwandaise. Parce qu'au lieu de passer du temps à penser des projets de développement, à penser des réformes nécessaires pour que le peuple puisse se développer sur tous les plans de la vie du peuple, on perd beaucoup de temps à penser la voie de faire, de les faire chasser du pouvoir, puisqu'ils sont des dictateurs. Et vous connaissez les voies pour changer un pouvoir comme celui-là. Est-ce par coup d'État? Nous ne sommes pas des militaires, vous le savez, nous n'avons pas d'armée. Est-ce par la guerre? C'est toujours possible. Un peuple, personne n'a le monopole de faire la guerre, surtout si le peuple n'est pas content. Est-ce que c'est par élection? C'est ce que nous voudrions, évidemment. On organise tout pour une élection, puisque c'est le mode normal et pacifique d'accéder au pouvoir et de changer de pouvoir, de changer de politique dans un pays. Mais Paul Kagame lui-même avait dit « Par quelle voie vont-ils me chasser du pouvoir ? » Par les élections, par la guerre, par le coup d'État, il a fermé toutes ses voies lui-même, j'allais dire de son vivant. Mais il y a une autre force qui reste et qui est très forte,
et c'est la révolution du peuple, la révolution populaire. Le peuple, aucune armée dans le monde ne peut vaincre son peuple s'il s'est levé pour une révolution. C'était hier seulement que nous avons vu un groupe se lever en disant « Nous ne supportons plus le traitement que vous nous affligez, il faut que ça change. » On nous avait prédit, on nous avait dit plusieurs fois que n'importe quel groupe qui va se lever au Rwanda, on va lui tirer dessus. Jusqu'à présent, on n'a pas vu ni l'armée, ni la police tirer sur ce groupe-là. Si le premier groupe s'est levé, que ça a marché, attendez-vous au deuxième, au troisième, au quatrième. Les choses peuvent toujours changer. Le peuple est capable, s'il a conscience de sa vraie force, de son vrai pouvoir, tout peuple peut changer de pouvoir. Et voilà. Mais pour revenir à la question que vous m'avez posée, Gandhi avait dit à ceux qui l'écoutaient, si on vous met à la porte alors que vous étiez en train de négocier, rentrez par la fenêtre pour continuer la négociation. Parce que si vous arrêtez la négociation, c'est la guerre tout de suite après. Et des têtes vont tomber. Et ce n'est pas la meilleure des solutions. Voilà pourquoi nous croyons à la négociation. On va y croire jusqu'au bout. Même pendant la guerre, on continue de chercher à négocier. On y arrivera avec le peuple. Merci. Mais c'est bien que vous croyez à la négociation, mais il faut encore que la partie avec laquelle vous voulez négocier croit aussi dans les négociations. Alors, si vous croyez dans des négociations, mais que face à vous, vous avez des gens qui n'ont jamais été sincères dans des négociations et qui n'y croient pas dans les négociations, qui ont pris le pouvoir par la force et qui ont pourtant de se maintenir au pouvoir par la force, à quoi ça sert pour vous de dire que vous croyez dans des négociations et que vous alliez dans des négociations pour vous faire assassiner, pour vous faire retarder, parce que vous savez bien que la personne avec qui vous voulez négocier n'est pas sincère et ne veut pas de négociation. Donc, le problème n'est même pas que vous cherchez des négociations. Oui, vous cherchez des négociations, vous y croyez. Mais pourquoi même vouloir négocier tout en sachant que la personne avec qui vous négociez n'est pas sincère et ne veut pas de négociation? Je ne comprends pas pourquoi vous voulez insister sur les négociations, sachant pertinemment que les gens avec qui vous négociez ne veulent pas de négociation et ne seront jamais sincères dans les négociations. Le but de toute action politique, c'est la paix. Certains vous diront qu'ils veulent la paix, prépare la guerre. C'est aussi vrai. Mais en face d'un régime totalitaire comme celui-là, qui ne veut pas de négociation, eh bien la responsabilité tombe sur lui parce que aucun peuple n'est fait pour être esclave des autres. S'il résiste, s'il ne veut pas de solution négociée, ils trouveront les solutions qu'ils cherchent. Ils finiront par lancer la guerre, créer la guerre, pousser les gens à la guerre et ils en paieront le prix aussi. Parce que des régimes comme cela, ils finissent même par créer leur propre fossoyeur. C'est un principe très connu. En poussant le peuple, les opposants derrière le tranchement, ils finissent par se retourner et prendre la responsabilité peut-être d'engager une guerre aussi. Ils n'ont pas le monopole de faire la guerre. Tout peuple peut décider de se défendre. Mais nous ne sommes pas là pour être les, disons, ceux qui veulent la guerre encore. Nous savons ce que la guerre a fait dans notre pays. Mais si la guerre était là, on sera prêt à se battre. Vous allez voir. Merci. OK. Alors, est-ce que vous pensez que le peuple rwandais est un peuple, comme on a commencé par les peuples, les dirigeants qu'il mérite, est-ce que le peuple rwandais est un peuple qui est capable de se lever et de défendre ses propres droits? Parce que dans l'histoire du Rwanda, les Rwandais ne se sont jamais levés pour défendre les droits du peuple. Ça a toujours été des interventions extérieures qui sont venues s'immiscer dans la politique au Rwanda et qui motivent les Rwandais à se lever. Mais les Rwandais, eux seuls, tout seuls, n'ont pas fait de guerre de décolonisation, de révolution, tout ça là. Donc, est-ce que vous pensez que le peuple rwandais est un peuple mature pour faire cette révolution que vous dites qui est nécessaire? Le peuple rwandais est très mature depuis longtemps.
Il est capable de bien se lever et de défendre ses droits. Il l'a fait pour chasser la monarchie, des interventions, alors que c'était même pendant la colonisation. Des interventions extérieures, il y en a toujours, dans tous les pays. Parce que le Rwanda n'est pas un îlot dans un océan. Il y a d'autres pays qui ont eu toujours des intérêts dans ce qui se passe au Rwanda. Il y en avait depuis le début de la colonisation. Il y en avait dans les années 59-60 et au moment de la République. Il y en a toujours. Il y en avait en 90, quand la guerre a été commencée. Il y avait des étrangers qui participaient à cette guerre-là. Il y en a toujours aujourd'hui. Et moi, je me dis que le peuple rwandais, il est peut-être patient, très, très patient. C'est un peuple qui n'aime pas la guerre, en fait. Mais on a vu tout ce qui nous est tombé dessus. On a vu qu'on pouvait se battre et même assassiner des innocents, des enfants. On a vu qu'on pouvait prendre des machettes, essayer de s'attaquer les uns aux autres. Le peuple rwandais, maintenant, je pense qu'il a compris par son histoire qu'il peut se révolutionner pacifiquement. Je pense que ce peuple, il n'y a que les dictateurs qui se trompent. Mais je sais que dans leur conscience, ils ont toujours peur du peuple. Surtout la dictature rwandaise. Elle est très, très consciente que si le peuple se levait, à une dizaine de jours, tout peut changer dans notre pays. Le peuple rwandais est mature. Il y a peut-être un problème au niveau du leadership, des leaders. Pourquoi au niveau des leaders? Parce que la dictature sait son point faible. La dictature que nous avons en place à Kigali a toujours su qu'il fallait assassiner comme Hérode tous les dictateurs qui naissent, qui surgissent. La dictature les assassinait dans le pays. La dictature continue de les assassiner, de les kidnapper, même à l'extérieur du pays. Ça leur a permis de rester au pouvoir pendant 30 ans. Mais maintenant, je pense que ça va être plus compliqué, puisque le peuple à l'intérieur commence à se lever, puisque le peuple à l'extérieur commence à s'organiser réellement, et vous verrez qu'on a attendu la nouvelle génération. Il y en a parfois qui ne comprennent pas ce que nous disons quand nous disons la nouvelle génération. Parce que l'ancienne génération, ceux qui étaient en âge de comprendre en 94, ceux qui avaient une vingtaine d'années, on les a massacrés, on les a mis en prison, on les a collés le génocide, et on les a mis hors jeu, en fait, et systématiquement. Actuellement, surgit une génération qui n'a pas participé à ces événements-là. Et c'est pour cela que nous pouvons dire quelque chose, que nous pouvons nous organiser. Ils nous pourchassent, ils nous chassent, mais on est plus résistant que nos aînés. Puisqu'il était plus facile de coller, par exemple, des crimes que certains ont commis, que d'autres n'ont pas même eu l'idée de commettre, pour les mettre hors jeu. C'est ce qui a permis à ce pouvoir de rester en place. Ensuite, il y avait les moyens de communication aussi, qui n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Voyez, madame, vous êtes au Canada, je suis à Paris. Ceux qui nous suivent, ils sont partout dans le monde. Il y en a qui sont au Rwanda. Nous pouvons nous asseoir ici, travailler ici, et ils nous suivent. Et il y a quelques années, en 94, il n'y avait que la Voix d'Amérique, il n'y avait que RFI et peut-être la BBC. Si vous n'aviez pas la parole là-dessus, vous ne pouviez pas communiquer. Tous ces moyens de communication qui se sont développés, c'est une arme nouvelle qui nous permet de nous organiser, d'organiser le peuple. Et ça, c'est un avantage. Notre gouvernement, puisqu'on en a parlé, on n'est que trois en France. Tous les autres, ils sont sur des continents différents, mais on travaille ensemble. Et ça, c'est peut-être un cadeau que le ciel nous a donné et qui peut permettre une révolution rapide qui n'était pas possible il y a quelques années. Merci. Alors, je ne peux pas terminer la partie en français sans vous poser l'une des questions les plus populaires que nous avons reçues. Et ça, c'est la question que vous aviez propagée, une fake news, comme quoi Kagame était mort. Alors, je vais vous poser cette question de la part des amis non rwandais. Je ne dirai pas le pays exact pour ne pas créer des problèmes. Mais quand vous savez très bien que Kagame et le pouvoir du FPR, ils ne sont pas populaires, non seulement au Rwanda, mais au-delà des frontières rwandaises, ils ne sont pas populaires du tout, étant donné que le FPR et Kagame ont envahi le Congo, ont détruit, ont pillé, ont commis des crimes contre l'humanité.
des crimes de génocide au Congo, donc ils ne sont pas populaires même au-delà des frontières rwandaises. Alors, quand vous avez propagé cette fake news comme quoi Kagame était mort, il y a eu beaucoup de célébrations. Il y a des gens qui ont célébré dans les pays voisins et ailleurs à l'étranger. Il y a des gens qui ont fait la fête, qui ont dit « Wow, nos problèmes vont commencer à se résoudre » étant donné que la grande personnalité qui a commis autant de crimes au Congo, au Rwanda et ailleurs, les gens ont fait la fête. Et puis, quelques temps après, des gens m'ont contacté. Ils m'ont demandé « Hey Louise, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne te voit pas faire de commentaires sur quoi que ce soit, sur cette nouvelle. Qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce qu'on continue à faire la fête ? On ne fait pas la fête ? Qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai dit « Les amis, moi-même, je vais vérifier cette nouvelle hein, parce que ça m'a l'air d'une nouvelle vraiment scandaleuse. Je ne comprends pas comment un président du pays peut mourir. » Et puis, donc, c'est un des chefs de l'opposition qui a cette nouvelle et personne d'autre n'a la nouvelle. Nous allons vérifier la nouvelle et on va vous revenir là-dessus. Et puis, on a vérifié la nouvelle et il s'est avéré que c'était une fake news. Alors, de la part de ces gens qui ont ouvert des bouteilles de champagne pour célébrer alors que c'était des fake news, aujourd'hui, ils m'ont demandé de vous demander à vous si d'abord vous allez rembourser les bouteilles de champagne qu'ils ont ouvertes. Ça c'est un. Et deuxièmement, si vous allez promettre, jurer et cracher que vous n'allez plus diffuser des fake news, que vous allez vous assurer de vérifier vos sources et de vérifier que vraiment vos nouvelles sont justes et vraies avant de publier vos nouvelles. Donc, je vous donne l'occasion de nous dire. De nous dire si d'abord vous allez rembourser les champagnes et si vous êtes capable de promettre à notre public, à tous ceux qui nous écoutent, que dorénavant, plus de fake news de votre part. Merci, madame. Si vous devez prendre des champagnes parce que le président Paul Kagame n'est plus là, prenez-en encore. Je reviens pour vous dire, prenez-en encore. Je n'aurai pas remboursé, mais vous n'aurez pas à regretter cette nouvelle. Je voulais vous dire quelque chose. La nouvelle de l'absence du président Paul Kagame, parce que ce n'est pas seulement Kagame, du président Paul Kagame, est peut-être la nouvelle la plus importante pour le pays du Rwanda et pour la région. Mais vous venez de dire, avant de vous dire ce que j'en pense, vous venez de dire vous-même que vous avez vérifié la nouvelle, que vous avez trouvé que c'était une fake news. J'aurais aimé savoir comment vous avez vérifié et ce que vous avez vu exactement. Alors là, je vous dirai pourquoi, pour moi, jusqu'à présent, ce n'est pas une fake news. Vous avez dit que vous avez vérifié. Qu'est-ce que vous avez vérifié? Comment vous avez vérifié et qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est de la responsabilité de la personne qui publie une nouvelle de vérifier si la nouvelle est vraie ou fausse avant de publier. Donc, c'est vous qui avez publié cette nouvelle. C'est votre responsabilité de vérifier avant de publier si oui ou non, c'est vrai ou faux. Donc, d'accord. Est-ce que vous êtes en train d'affirmer jusqu'aujourd'hui, jusqu'au 14 janvier, que le président rwandais Paul Kagame est mort? Parce que ça, alors, c'est de votre responsabilité. C'est vous qui avez publié cette nouvelle. Ce n'est pas aux gens qui reçoivent cette nouvelle qui vous dit non, c'est faux, et que alors là, vous êtes là en train de dire, prouvez-nous que ce qu'on a publié, c'est faux, alors que vous n'avez pas prouvé que ce que vous avez publié est vrai et juste. Nous disons que ce que vous avez publié est une fake news parce que Kagame est vivant et nous le voyons, il continue de travailler. Entre-temps, pendant que vous étiez en train de publier qu'il est mort, il y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis au Rwanda. Paul Rusesabagina, des gens qui ont été emprisonnés, des gens qui ont été kidnappés, tout ça c'est sur la tête du gouvernement de Paul Kagame qui dirige. Il est venu en France, il a rencontré le président de votre pays où vous êtes. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous êtes plus informé que les services secrets français et que donc le président Macron a reçu un Kagame qui est... Comment est-ce que le président Macron a reçu Kagame si Kagame est mort selon vous? Donc, moi, je vous donnais l'opportunité
de dire que vous avez reçu des mauvaises informations et que vous avez propagé une fake news, mais si vous voulez quand même insister pour dire que ce n'était pas une fake news, c'est vous qui perdez votre crédibilité. Merci, madame. Merci pour la question. Alors, je vais vous dire toute la vérité. Et toute la vérité, c'est que le président Paul Kagame n'est plus là. Il n'est plus en service. Donc, on ne joue pas sur les mots. Il est vivant, il n'est pas vivant. Parce que vous avez annoncé qu'il est mort. Une seconde, madame. Depuis le début, vous dites que je suis le président du gouvernement du peuple rwandais en exil. Et je le suis. Je suis dans une position de s'intéresser à ce que ce président fait. Je suis de près les faits et gestes de cet homme depuis longtemps, et plus particulièrement depuis 2017. Alors, je connais exactement ce qui se passe dans le pays. Les autres peuvent penser que tout va bien, mais je sais combien les institutions sont bloquées. Je sais comment le Parlement ne fonctionne plus. Je sais comment le gouvernement est bloqué. Je sais ce qui se passe en justice par l'absence même de son président. Vous savez, quand un président n'est plus en fonction dans un régime républicain comme le nôtre, là où le président élu au suffrage universel est le garant de toutes les institutions, et que maintenant toutes ces institutions depuis 2 ans maintenant sont bloquées, je sais moi interpréter ce que cela signifie. En plus des autres nouvelles que j'ai reçues à cause de la position dont vous parlez, que j'occupe actuellement. Quant aux étrangers, entre les États, madame, nous sommes en politique, on n'est pas en religion. Entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des intérêts. Si Emmanuel Macron profite de la situation pour son pays, il peut le faire. Il n'a pas le devoir de dire aux Rwandais qu'ils n'ont plus de président ou qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Ce n'est pas de son devoir, c'est de notre devoir de savoir ce qui se passe chez nous. Les services secrets de pays étrangers, ils n'ont pas l'obligation, ils n'ont pas le devoir de dire aux Rwandais, attendez, chez vous, il se passe des choses. Ils n'ont pas cette obligation-là. C'est chez nous, allez retourner au Rwanda, voyez ce qui s'y passe, voyez la réalité des institutions, voyez ce président que nous connaissons, ce n'est pas un nouveau. Il a été avec nous au moins depuis 1994 dans le pays. Il a été président en 2000. Nous savons son mode opératoire, nous savons ce qu'il a fait, nous savons comment il se présentait. Comment justifiez-vous son absence devant son peuple depuis 2 ans? Alors, pour me résumer, pour nous, le président Paul Kagame est mort. Au vrai sens, écoutez-moi un tout petit peu, madame, au sens propre comme figuré, c'est à lui qui est payé pour ça, qui était payé pour ça. C'est à ses institutions, à ses services de communication, de rassurer les gens. S'il était vivant, pourquoi Mme Ida Mandié serait en prison pour avoir dit seulement que son président est mort et qu'il ne s'est pas montré après? Pourquoi, dernièrement, on a eu une autre personne qui a été en prison parce qu'il a dit, finalement, son président, on ne le voit plus, ils sont au Rwanda, ils ne sont pas à l'extérieur. Madame, on n'a pas de président et c'est l'échec de l'opposition, ce n'est pas l'échec de tout le monde, c'est l'échec de l'opposition de ne pas pouvoir examiner cette réalité et de savoir l'importance de Paul Kagame dans la vie des gens, dans la vie de ce pays, de pouvoir interpréter son absence et de pouvoir en tirer des conclusions qui s'imposent. Nous avons su, nous l'avons dit, personne ne nous a contredit, en tout cas sur le terrain de la politique rwandaise, personne ne nous a contredit. Et puis ces étrangers qui profitent de la situation, ils finiront par dire, voilà, ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas à nous de dire au peuple rwandais ce qu'il doit faire. Nous ne sommes pas pour les imposer. Interpréter l'absence du président Kagame, essayer de l'expliquer, essayer d'en tirer les conclusions qui s'imposent, c'est notre responsabilité. Nous l'avons fait et nous continuerons de le faire. Donc vous interprétez la faillite de Paul Kagame, sa façon de gouverner, son absence, peut-être sa faiblesse dans le leadership, vous interprétez ça comme sa mort. Pour vous, il est mort étant donné qu'il gouverne mal. Non, ce n'est pas un euphémisme, ce n'est pas une comparaison, ce n'est pas donc le président devrait être en service
devrait être dans sa position jusqu'en 2024. La constitution rwandaise définit trois cas où le président est considéré comme mort, disons, dans sa fonction. S'il devient handicapé et que cela est confirmé de façon définitive, il quitte son poste. On ne nous l'a pas dit. On ne vous a pas dit que le président était handicapé pour quitter sa fonction. S'il trahit la constitution et qu'il est condamné, alors on ne l'a pas dit. Il n'est pas condamné pour quitter sa fonction. Eh bien, s'il est mort physiquement. Et ça, on le tait et on sait pourquoi on le tait. Parce que le système était construit que sur lui. Il devait prendre le temps de s'organiser comme ça se faisait dans le temps. On connaît notre culture. Dans le temps de la monarchie, le roi pouvait mourir et passer 5 ans sans déclarer sa mort, le temps de s'organiser et de déclarer sa mort quand son cercle trouvait qu'ils étaient bien préparés. C'est ce qu'ils sont en train de nous faire. C'est ce qu'ils sont en train de nous jouer. Sinon, le président, il n'est plus là. On ne nous a pas expliqué pourquoi. On n'a pas déclaré qu'il était malade, jamais. On n'a pas déclaré qu'il était condamné par la justice. On ne connaît pas cette situation. Il ne reste qu'une situation. Eh bien, nous l'avons su et nous l'avons déclaré. Cette nouvelle est très facile à contredire. Il suffisait que le président Paul Kagame continue ses activités auprès de son peuple. Nous, on perdait toute crédibilité. Si Paul Kagame ne l'a pas fait pendant 2 ans, est-ce que c'est le Paul Kagame que vous connaissez, que vous avez connu? Qui lui a piqué pour qu'il change complètement, qu'il disparaisse de la scène sans qu'on le dise au peuple, alors qu'il est toujours payé, alors que sa famille reçoit toujours tout ce que le pays doit à un président en exercice? Ça, ils vont pouvoir le rembourser par contre. Merci. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de dire qu'il y a 2 ans, donc Paul Kagame était un bon président, un président qui était un serviteur du peuple, que le peuple voyait. Paul Kagame n'a jamais été un dirigeant, un serviteur du peuple, qui communique avec le peuple et qui va voir avec le peuple. Et puis, vous ignorez aussi qu'il y a cette situation globale où il y a eu la pandémie de coronavirus et que tout le monde est allé se cacher. Donc, est-ce vraiment anormal qu'un président soit moins visible par le public dans un temps de pandémie? Et puis, effectivement, nous avons vu Paul Kagame dans plusieurs événements. Nous l'avons vu récemment en train de faire un discours au mariage de la fille de Louis Guéma. Nous l'avons vu en train de visiter plusieurs chefs d'État. C'est quoi cette politique qui cherche à affirmer et à dire que votre adversaire est mort juste parce que vous n'êtes pas d'accord avec sa façon de gérer la crise, vous n'êtes pas d'accord avec sa façon de diriger le peuple? Est-ce que vraiment c'est une raison de le déclarer comme mort alors que devant vous, il est là, il fait des conférences, il reçoit d'autres personnalités, il va dans des mariages? Mais je ne comprends pas pourquoi vous vous acharnez à affirmer et à rester sur cette position, à dire que non, le président est mort juste parce que il gère mal, très très mal cette crise, juste parce qu'il est absent et tout, et qu'il ne fait pas le travail que vous voulez qu'il fasse. Vous autorisez de le déclarer comme mort. Est-ce que vous ne voyez pas la gravité de propager une telle fake news? Et puis aujourd'hui, vous insistez que non, c'est ça qui est. Pourquoi voulez-vous nous convaincre des choses? C'est comme si vous me disiez que la couleur ici, c'est rouge et que je dois le croire que c'est rouge. Or, moi, personnellement, je vois que c'est blanc. Pourquoi vous voulez convaincre des personnes intelligentes que vous avez devant vous que le président est mort? Or, alors que c'est archi faux. Pourquoi vous vous battez avec notre position si vous la trouvez insensée, madame? Vous avez le droit de ne pas comprendre notre position. Vous avez le droit de ne pas l'accepter, surtout si vous la trouvez insensée. Par contre, les termes que vous utilisez, que le président est moins visible ces dernières années, non, il n'est pas moins visible. Il n'est pas visible du tout devant son peuple. Il n'est pas visible. Vous dites que nous sommes en train de dire comme s'il était un bon président avant et qu'il n'est pas... et qu'il n'est plus là ou qu'il est devenu mauvais. C'est parce que nous sommes en train de dire. C'est un dictateur, mais au moins il était là. Il était dans son poste, il avait des mandats qu'il avait volés, mais il était là, il faisait le job.
même s'il tirait sur les gens de jour, comme il avait dit, même s'il commettait des crimes, mais on le voyait, on disait, notre criminel est là. Aujourd'hui, eh bien, il n'est plus là. Par contre, les crimes continuent de se commettre, parce que de toute façon, ce n'est pas lui qui tirait sur les gens, c'était une organisation qui le servait, et cette organisation est toujours là. Nous avons étudié comment fonctionne la gouvernance locale là qu'ils ont installée, qui sont des espions auprès du peuple et qui continuent de lier le peuple, même sans ministère, même sans parlement, les structures de base continuent de fonctionner et de réduire le peuple en servitude. Tout continue à fonctionner. Tant qu'ils ne savent pas qu'au sommet de l'État, il y a un problème, ça fonctionne. Donc, Paul Kagame n'est pas moins visible, il n'est pas visible du tout auprès de son peuple. Quant aux manifestations qu'on nous a montrées, réduites aux images seulement, madame, nous travaillons dans la communication. Nous savons comment fonctionne le cinéma. Nous pouvons trouver des Américains comme, je me souviens, du cinéma par les Kinyarwanda, comme si c'était des Rwandais. Ça, c'est des méthodes que nous connaissons. Les masques. Le FPR a commencé à utiliser des masques même pendant la guerre. Il disait qu'il y avait des blancs pendant la guerre, dans les rangs du FPR. Ce n'était pas des blancs, c'était des masques. Il continue, nous avons toutes les informations. Ça, c'est possible. Vous avez parlé des renseignements français, américains et les autres. Est-ce qu'ils vous ont dit ce qu'ils ont vu? Est-ce que les Français vous ont dit qu'ils ne savaient pas ce qui se passe au Rwanda? Est-ce qu'ils ont déclaré ça? Est-ce que vous savez les cafouillages qui se passent quand celui qui s'appelle Paul Kagame était passé à Paris? Non, revenons au Rwanda. Notre président n'est plus là. Il n'était pas le meilleur, il n'était pas bon du tout. C'était un dictateur, mais au moins il était responsable. On sait qu'un jour, il devait répondre de ses actions. Le problème, c'est qu'on nous trouve débiles jusqu'à nous faire gouverner par quelqu'un qui n'est plus là. Cela a existé dans notre histoire, ce n'est pas nouveau. Au temps des rois de nos rois, on ne savait pas exactement quand le roi était mort. Parfois, on passait 5 ans à déclarer la mort d'un roi. Vous n'ignorez certainement pas les origines de notre Paul Kagame. Vous pouvez aussi et surtout ignorer son type d'organisation, parce que c'était un régime monarchique, parce que personne ne connaissait vraiment les mouvements du président, même pendant ses magistratures, parce que lui, il se montrait quand il voulait, mais au moins il se montrait au peuple pour faire au peuple, pour montrer qu'il était là. Tous les dictateurs fonctionnent comme cela. Ne vous étonnez pas si demain ou après-demain, on déclare qu'il vient de mourir parce qu'il faudra sortir de cette situation. Mais je termine en disant, je n'impose à personne, ni à vous, madame, ni à personne d'autre, de croire en ce que je dis quand je dis que le président est mort. Mais je vous dis que je suis très, très informé sur ce dossier-là. Et bien voilà, il n'a qu'à me contredire, il n'a qu'à se montrer et continuer. De toute façon, il a encore un mandat jusqu'en 2024. Pourquoi ne pas se montrer demain? On est en train de parler de jour, j'allais dire de jour, c'est de nuit chez nous, mais les lumières sont là. On ne se cache pas pour dire ça. Dernièrement, on l'a dit à Paris. Ils ne nous contredisent pas. Et ce n'est pas seulement pendant les manifestations. On l'a dit plusieurs fois. Quand j'ai déclaré que Charles Michel nous mentait, vous savez ce qu'il a fait pour répondre? Ils ont écrit dans un journal qu'ils pouvaient me traduire en justice. J'ai appelé de mes voeux, j'ai écrit une lettre. Qu'ils devaient justement rapidement m'appeler en justice pour que je m'exprime. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont été supprimés, faire supprimer la vidéo chez YouTube. C'est toute la réponse qu'ils ont trouvée. Et pourtant, je lui avais dit. Et pourtant, Charles Michel, c'est le président de l'Union européenne. La seule solution qu'il a fait, je suis en France, je ne me cache pas. La seule solution qu'ils ont trouvée, c'est d'aller faire supprimer la vidéo chez YouTube. Madame, le président n'est pas là. Mais personne n'est obligé de le croire, ceux qui n'y croient pas. C'est le droit vraiment. Mais ce qui m'étonne, c'est que au Rwanda, on ne dit pas ça. Il a des institutions qui sont chargées de la communication, mais c'est l'opposition plutôt qui se charge de dire qu'il est là, mais au Rwanda, personne n'ose le dire. Est-ce parce qu'ils ne trouvent pas la gravité de telles affirmations? Je n'ai pas de réponse. Merci. Donc là, vous comptez toujours vous présenter aux élections de 2024? Alors, là, ça dépend. On était préparé pour ça. Vous avez parlé de négociation, vous avez parlé de normalisation de la politique du Rwanda.
Si, puisque c'est les échéances. Les échéances, ça compte en politique. Ce sont les échéances que nous connaissons. Si c'était des élections ouvertes, eh bien, on n'hésiterait pas à y aller et se présenter comme il se doit. Mais nous savons justement que ce n'est pas le cas. On voudrait bien, on voudrait négocier, on voudrait participer à la vie politique du pays. Mais si l'espace politique n'est pas ouvert en ce moment-là, on va recourir à d'autres voies, notamment à ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, qu'il faut absolument retrouver la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance. Nous entrons en résistance pour que cet espace politique soit ouvert et que à chacun soit permis de pouvoir participer à des échéances comme celle-là, constitutionnellement prévues, et puis selon la loi rwandaise. Mais ce n'est pas le cas pour le moment, mais on lutte pour. Voilà. Mais on est Donc prêt. là, en 2024, vous allez vous présenter aux élections? Madame, l'espace politique est fermé, vous le savez très bien. J'ai tenté en 2017, je n'ai pas pu atterrir à Kigali. Rien, si rien ne change d'ici là, juste cette information, c'est pour dire, nous, nous sommes prêts. On peut aller au Rwanda et s'organiser. On peut y aller créer un parti politique si l'espace politique était ouvert. Jusqu'à présent, il est fermé. Donc, mais on lutte pour. On ne va pas dire c'est fermé, on s'arrête. Non, on lutte pour. Il faudrait vraiment que l'espace politique soit ouvert et que moi et d'autres qui le veulent puissent participer normalement à ces échéances électorales. Mais je ne comprends pas quand les gens ils disent l'espace politique n'est pas ouvert. Qui devrait ouvrir cet espace politique? L'espace politique est fermé par les gens au pouvoir parce que justement, ils veulent rester au pouvoir. Donc, ce n'est pas à eux de vous ouvrir cet espace politique. Donc, c'est quoi cette histoire de dire l'espace politique n'est pas ouvert? L'espace politique n'est jamais ouvert nulle part. Si il est ouvert, parce que si c'est un état de droit, la Constitution, c'est la Constitution qui prévoit ces échéances, ces possibilités de participer à la vie politique. C'est la loi électorale qui dicte les conditions de participer. Si cela était respecté chez nous, eh bien, on participerait. Mais vous savez bien que, justement, ils ferment cet espace politique et même pour garder le pouvoir. Et c'est pour ça que nous devons nous organiser par tous les moyens pour pouvoir retrouver ces droits qu'ils ne nous donnent pas, qu'ils ont supprimés, dont ils nous empêchent de jouir, c'est tout. Mais la décision de vous présenter aux élections, ça, c'est une décision de votre part. Ça ne dépend pas de Kagame, ça ne dépend pas non plus de l'espace politique qui est ouvert ou fermé. Si vous, vous décidez que vous allez vous présenter aux élections, vous allez vous présenter aux élections. Donc, c'est cela que nous voulons savoir. Est-ce que vous allez vous présenter aux élections? Il y a quelque chose que vous ne voulez pas comprendre, madame. En 2017, il y avait des élections. J'ai pris l'avion, je ne jouais pas pour aller participer. Toutes les compagnies ont reçu l'ordre de ne pas nous prendre jusqu'à chez nous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse après? Que je me présente à l'aéroport à Nairobi, aux élections? C'est très grave ce qu'ils ont fait. C'est Justement, très grave. étant donné que vous avez vécu ça, comment est-ce que vous êtes en train de vous organiser pour 2024? Voilà la question. Là, c'est une question très intéressante là. Puisque nous savons qu'ils ont fait ça, c'était une nouvelle expérience. Si vous saviez qu'on avait discuté longtemps avant de partir, il y en a qui avaient soulevé ce problème en disant ils pourraient bien vous empêcher d'atterrir à Kigali. J'étais parmi ceux qui disaient ils ne peuvent pas le faire. Voyez comment on était naïf. Je disais ils peuvent faire beaucoup d'autres choses, mais ils ne peuvent pas nous empêcher d'atterrir dans notre pays. Eh bien, ils l'ont fait. Alors là, nous sommes en train de nous organiser. Nous sommes en train de nous organiser et vous comprendrez pourquoi le pourquoi d'un gouvernement. Parce qu'un gouvernement a beaucoup plus de moyens que les gens ne voient pas encore qu'un parti politique qui me soutenait en ce moment-là. Maintenant, on est en train de travailler avec vous. On va continuer de dire ce que nous voulons faire, mais nous avons beaucoup plus de moyens qu'on ne le croit pas, qu'on ne le croit. Vous verrez. On va continuer à lutter pour une chose, l'ouverture de l'espace politique, c'est tout. Après, si l'espace est ouvert à tout le monde, nous pourrons participer et le peuple choisira qui il voudra. Mais le vrai problème, c'est cette ouverture de cet espace politique pour que tout Rwandais qui le veuille, puisse participer. On n'a pas ce droit-là et ce n'est pas le seul.
Il y en a beaucoup d'autres droits qui sont supprimés, que le peuple rwandais ne peut pas jouir, dont le peuple rwandais ne peut pas jouir, et c'est dommage. Alors, il y a un commentaire du public qui dit que vous ne pouvez pas vous présenter parce que vous êtes français. Vous avez la citoyenneté française. Paul Kagame était ougandais. S'il ne le savait pas, il était ougandais. Il est président de la République. Nous savons comment se font les lois. Si vous faites des articles de constitution pour éliminer les autres, on peut le faire. Mais ça a été fait de main d'homme. Les constitutions se changent. En négociant, en parlant avec le peuple, on peut changer cet article-là et on lutte pour. Ce n'est pas un dogme qui vient du ciel. Et même les dogmes religieux ne viennent pas du ciel. Ça peut changer. Et là, c'est le peuple qui peut faire ça. Okay. Donc là, on ne sait pas si vous allez vous présenter aux élections de 2024 ou pas. Et vous ne voulez pas non plus dire si vous allez vous présenter ou pas. Madame, qu'est-ce qui n'est pas compréhensible dedans? Puisque Vous le dictateur. n'avez pas répondu à la question. Vous avez complètement gâté la Nous question. avons. Je réponds encore une fois. Nous avons toute la bonne volonté. Mais il faut que cette bonne volonté se traduise en action. Et cela ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, nous le faisons. Nous l'avons déclaré. Nous avons déclaré notre volonté. Comme nous avons tenté la première fois, on peut tenter encore une deuxième fois. Mais nous savons qu'ils sont capables d'édicter des lois à des compagnies aériennes pour nous empêcher de rentrer dans le pays. Et que si jamais vous êtes dans le pays, il y en a d'autres qui ont tenté. Diane Rwigara a tenté. Barafinda a tenté. Et vous connaissez l'issue de tout ça. Donc, tant qu'ils sont en force et qu'ils sont là et qu'on n'a pas la force nécessaire pour résister, ils peuvent faire n'importe quoi. C'est là où nous avons dit que peut-être un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Nous avons un gouvernement de loups. C'est à nous, c'est au peuple de changer son attitude, de ne plus être plutôt un peuple de moutons. Tout simplement, les loups n'ont peut-être pas l'intention de changer si vite. Mais le peuple peut les faire changer. Alors, vous allez faire quoi en 2024 si vous essayez de vous présenter aux élections présidentielles et que le candidat du FPR, c'est Kagame, alors que vous l'avez déjà déclaré mort? Ça sert à rien d'insister sur cette question, il ne sera pas là. Donc, s'il est là, reposez-moi la question, madame. Donc on ne sait pas si vous allez vous présenter, mais vous allez faire tout votre possible pour vous présenter, si l'espace politique est ouvert. Et donc si, le président Kagame aussi, s'il se présente contre vous, on ne sait pas si vous allez vous présenter contre lui, étant donné que vous l'avez déjà publié comme mort. Il y avait tout à l'heure un commentaire du public qui disait, est-ce que vous avez un exemple d'un roi rwandais qui est mort et qu'on a caché sa mort pendant 5 ans, comme vous disiez. On n'en connaît pas de tels exemples dans notre histoire. Je reviens sur la question de présenter une candidature. La lutte que nous menons, ce n'est pas pour présenter des candidatures à la présidentielle. C'est pour que le peuple retrouve ses droits. Le reste n'est que conséquence de cette lutte-là. Si nous retrouvons nos droits, on ne lutte pas que pour ça. On lutte pour que le peuple puisse retrouver ses droits. Après, je peux me présenter. L'essentiel est d'avoir ce droit-là. Et puis, on verra le moment venu. C'est pour cela qu'il existe des échéances. Quant à la culture, quant au fonctionnement des cercles proches du roi, les amis, lorsqu'il faisait, celui qui fait le commentaire ne sait pas comment ça fonctionnait. Il y avait toute une voie de déclarer la mort du roi, d'investir un nouveau roi. Tout ça, il y avait des échéances, il y avait des périodes, il y avait des années. Donc, on peut rentrer dans l'histoire et trouver. Je sais que ça se passait comme ça. Je sais très bien que ça se passait comme ça. Donc, reposez-moi la question la prochaine fois. Je vous amènerai peut-être des noms en disant qu'on connaît, évidemment. Et combien de temps il a fallu pour déclarer tel roi alors qu'il était mort depuis longtemps et qu'on a déclaré. Ça se faisait. Ça se faisait très, très, très bien, je sais. Alors, parlant de la royauté et la monarchie, nous avons donc un président rwandais en exil en France, vous, qui n'a pas été élu.
Et nous avons aussi un ami, un roi rwandais qui est aussi en Angleterre. C'est quoi, selon vous, la finalité de cette lutte pour le pouvoir au Rwanda? Comment voyez-vous, c'est quoi le rôle de la monarchie et du roi dans votre façon de voir les choses? Avez-vous essayé d'être en contact avec le roi rwandais qui lui aussi est en exil en Angleterre pour voir s'il y a une façon de collaborer avec lui? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je suis essentiellement républicain. La monarchie, ce n'est pas mon affaire. Par contre, ce roi m'intéresse beaucoup. Ce roi Emmanuel m'intéresse. Et pour vous dire vrai, j'ai un projet de lui rendre visite, mais il faudra qu'il accepte que je lui rende visite aussi. Mais j'ai un projet pour une visite d'amitié, tout simplement, une visite de courtoisie. Ça m'intéresse beaucoup. Mais comprenez que le Rwanda est une république jusqu'à présent. Il n'a pas besoin de roi. Par contre, que les gens continuent la lignée dans le sens traditionnel du terme ou de la culture, ça se fait en France. En France, il n'y a plus de roi, mais la famille royale a toujours désigné celui qui pouvait remplacer le roi si la France redevenait une monarchie. Et on ne se bat pas pour ça. La France reste une république, mais la famille royale a continué de faire ça. Que le Rwanda fasse cela, le nouveau roi, il n'a fait la guerre à personne. Il n'a pas pris le pouvoir. S'il est désigné, si c'est dans le sens protocolaire, c'est peut-être à lui de pouvoir expliquer, mais on n'a pas de roi au Rwanda, il n'y a pas de, il n'y a pas, ce n'est pas une monarchie, mais je le respecte beaucoup. Surtout, je respecte la tradition rwandaise, tout en étant essentiellement et fondamentalement républicain. Merci. Alors, je pense qu'on va vous poser une dernière question en français et puis on va bouger en Kinyarwanda. Il y a beaucoup de commentaires en Kinyarwanda. Pour parler des enjeux et de votre politique, l'enjeu majeur au Rwanda, c'est l'éducation, c'est la pauvreté. C'est ça qui a causé tous les problèmes, c'est ça qui cause des problèmes dans la société. Vous, qu'est-ce que vous avez comme solution concrète contre ces problèmes majeurs qu'a le Rwanda? Qu'est-ce que vous feriez de différent pour l'éducation et qu'est-ce que vous feriez de différent pour éliminer la pauvreté? Alors, l'éducation, ce n'est pas la seule question au Rwanda. L'éducation est une conséquence. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'éducation. Je sais que l'école est la porte de tout, comme elle a été la porte de tout développement dans d'autres pays. Mais le problème essentiel chez nous, c'est l'organisation politique d'abord. L'organisation politique, parce que tout dépend de l'organisation politique du pays. C'est cette organisation politique qui établit la politique de l'éducation nationale, la politique de la défense, l'organisation politique, c'est notre problème, c'est le premier problème à résoudre. Si vous avez de bons gouvernants dans le pays, évidemment, il y a des solutions que vous allez trouver. Alors, pour répondre exactement à votre question, nous faisons face à deux types de problèmes. Le premier problème, c'est de pouvoir changer ce pouvoir qui a installé ce chaos dans le pays. Ça, c'est la première chose. Donc, pouvoir lutter, je me posais la question, on se pose des questions sur la voie de pouvoir le faire. Est-ce par le coup d'État? Est-ce par l'élection? Est-ce par la guerre? Est-ce par la révolution? Là, ça nous bouffe beaucoup, beaucoup d'énergie. Après, pour quel projet de société? C'est peut-être la question que vous me posez. La question de quel projet de société, évidemment, on ne peut pas se présenter aux élections si on n'y a pas répondu. Nous trouvons qu'il y a un mélange des deux. Parfois, quand on se présente, c'est pour des réformes peut-être essentielles, mais il faut que la base soit là. Au Canada, en France, il n'y a pas de président ou de premier ministre qui viendra en disant, nous, c'est révolutionnaire, on va tout révolutionner. C'est des réformes. On joue l'enjeu, c'est des réformes essentielles. Chez nous, ce n'est pas que ça. Chez nous, il y a des domaines où ce sera révolutionnaire. C'est un plan révolutionnaire s'il y a bien des points. Parce qu'il y a une apartheid qui est installée dans certains domaines qu'il faudra pouvoir subjuguer. Bon, ailleurs, c'est des réformes. Alors, comme je m'étais déjà présenté une fois, comme j'avais déjà prévu de me présenter une fois et que je retravaille ce projet, je pourrais vous dire vraiment qu'il y a des domaines, au moins 6 domaines, où on essaie de trouver des solutions.
Je commencerai par un domaine qui est beaucoup plus important puisque c'est le domaine de l'armée, de la police et des services de sécurité. Puisqu'on a deux problèmes au Rwanda, historiques, le problème du régionalisme, le problème de la ségrégation ethnique, il faut toujours penser à trouver des solutions pour ces deux problèmes. Si vous trouvez des solutions qui ne touchent pas à ces deux problèmes, vous allez retrouver vos problèmes là où les problèmes vont vous casser toutes les solutions que vous avez cherchées. Alors, la réforme de l'armée et des services de sécurité s'impose pour que ces services ne soient plus, puisque c'est eux qui ont le pouvoir actuellement, ne soient plus des services en main, entre les mains d'une ethnie et qui servent pour casser les autres. Et vous savez ce que je dis exactement, tous les Rwandais savent ce que cela signifie dans le passé comme dans le présent. La réforme de l'administration, la réforme de l'école, comme vous dites, parce que l'école publique, j'y crois, j'ai été enseignant, je suis professeur, je sais que l'école, c'est la clé de tout développement d'un pays. Nous avons un projet là-dessus, de pouvoir, d'ailleurs les autorités actuelles, à partir de Kagame lui-même le disait, que l'éducation qui était donnée dans l'école publique était sans contenu. Et pour trouver la réponse, ils ont organisé des écoles d'excellence pour les enfants des riches et des autorités. Et on a abandonné l'école publique où le petit peuple envoie les enfants pour ne rien apprendre. C'est les autorités elles-mêmes. C'est le rapport de l'Assemblée nationale qui le disait. Il n'y a rien dans ce qu'on donne aux enfants. Ça, la réforme de l'école. C'est très, très important. Et puis des écoles de métier, tout le monde n'a pas vocation, tous les enfants n'ont pas vocation à faire des écoles longues, de faire l'université. Mais de penser aux enfants du peuple, on installera des écoles professionnelles, mais qui répondent, qui ont du contenu, qui donnent du contenu à ces jeunes. La réforme des réformes dans le domaine économique. Si vous saviez ce qui fait mal à l'économie rwandaise, actuellement à l'économie rwandaise, des monopoles qu'ils ont installés, des monopoles dans tous les domaines. Des monopoles d'économie, les bases de l'économie sont entre les mains du FPR, de ces entreprises, et le peuple n'a rien sinon que des miettes. La réforme agraire qui cause beaucoup de problèmes actuellement, où on enlève la propriété des terres au peuple. Tout ça, c'est des réformes qui s'imposent. Des réformes au niveau social. Pour pouvoir soutenir les nouveau-nés, les enfants, les mamans qui sont enceintes, les personnes âgées, tout ça, on peut jeter un coup d'œil. La réforme dans les relations avec les voisins, avec les pays de la région, on fait la guerre à tout le monde, on ferme les frontières contre tout le monde. Mais si je devais vous dire sincèrement, la vraie réforme qui permettra la possibilité de faire d'autres réformes, c'est la forme politique. C'est de pouvoir réformer la démocratie qui est là, de pouvoir réformer les institutions, de pouvoir permettre au peuple rwandais, dans toutes ses composantes, d'avoir les mêmes droits et d'accéder avec les mêmes, disons, de pouvoir jouir de leurs droits dans leur pays. Si, le nom que j'ai donné à notre projet, c'est de unir pour bâtir. Pour bâtir quoi? Pour bâtir une nation rwandaise. Parce que notre pays a été comme si c'était plusieurs pays ensemble qui ne s'entendent pas. Unir pour bâtir une nation. Et ça commence par la réforme des institutions politiques. Après, tout est possible. Bon, ce n'est pas encore la campagne électorale. C'est des choses qui se disent dans une campagne électorale. Au moment de la campagne électorale, on va égrener nos propositions. Ce n'est pas encore le moment, mais là, je vous donne que des idées générales. Mais vous savez que ces réformes, on peut les faire si on a le mandat pour les faire, on ne manquerait pas de les faire. Merci. Alors, une question du public de Natacha Avinguené. Merci pour toutes ces questions. Je vais poser que la première. C'est quoi votre vision? Quelle est votre vision pour un Rwanda réconcilié? Alors, la vision des Rwandais réconciliés. C'est vraiment en un seul terme. Il faut faire de ce pays une nation, pas plusieurs nations qui se font la guerre. Et c'est possible. C'est un Rwanda qui est une nation, où le Tutsi n'aura pas besoin de demander la permission pour vivre dans son pays ou pour avoir accès à ses droits, où le Hutu se sentira chez lui, où le Twa sera aidé pour être au niveau des autres.
mais qu'il soit fier de son pays. Où on n'est pas ennemi du pays alors qu'on est Inyangarwanda dans son propre pays. Où on n'est pas Igipinga dans son propre pays. Où on voit dans les yeux des forces de sécurité qu'on est ennemi, qu'on est déclaré ennemi dans son propre pays. Il faut absolument que les Rwandais s'unissent pour faire de son pays une nation. Et c'est possible. Il suffit d'une volonté politique des leaders à qui on donne un mandat pour le faire. Et c'est là où je retrouve le groupe qui travaille avec moi, qui n'est pas encore suffisant. On a besoin de collaborer avec d'autres. Mais on a cette envie. On a cette envie de vivre ensemble. On a cette envie de vivre un pays qui est vraiment une nation. Voilà notre vision. Si on réussit cela, si après 5 ans, le Hutu, le Tutsi et le Twa vivent dans leur pays sans se sentir en tel ennemi, ou sentir que leurs droits sont bafoués à cause de leur identité ethnique ou régionale, là, on aura fait quelque chose, on aura apporté notre pierre à la construction de cette nation qui est rwandaise. Et ça, c'est possible. Et ça, j'en c'est possible. Profite pour boire mon lait. Pas de soucis, madame. Vous avez de la chance. Alors, et les politiciens qui sont sur place au Rwanda, parce que pourquoi est-ce que le peuple rwandais aurait besoin de vous qui êtes en exil? Il y a des politiciens, il y a des activistes qui sont sur le terrain au Rwanda. Il y a par exemple Victoire Ingabire qui, malgré ce manque d'ouverture politique sur place, vous avez parlé du manque d'ouverture politique sur place, mais elle s'est quand même risquée, elle est quand même allée au Rwanda et là, elle est au Rwanda sur place en tant que politicienne. Est-ce que vous ne pouvez pas supporter, si vous n'êtes pas capable, vous, d'aller au Rwanda et de jouer sur le terrain, est-ce que vous pouvez supporter les politiciens et les activistes qui sont déjà sur le terrain au Rwanda? Et puis, l'autre question avec laquelle on va terminer avant de passer en Kinyarwanda, c'est le rôle des Rwandais au Rwanda, donc, et le rôle de la diaspora. Alors, il ne faut pas esquiver la question essentielle. Victoire Ingabire est au Rwanda. Est-ce qu'elle est allée au Rwanda pour être en prison pendant des années? Est-ce qu'elle est allée au Rwanda pour être bloquée, pour ne pas installer son parti jusqu'à la base? Qu'est-ce qui lui est permis, qu'est-ce qui lui est interdit? Est-ce qu'elle est allée là pour être condamnée pour des crimes qu'elle n'avait jamais connus, pour être perturbée tout le temps et l'empêcher de faire de la politique? Nous savons ce qui se passe sur le terrain, dans un contexte de dictature féroce, où les partis politiques n'ont même pas le droit de trouver des militants, d'intéresser les Rwandais à la base. Il n'y a pas de politique possible dans ce pays-là. On peut être présent, on peut continuer de militer, mais nous savons ce qu'elle a dû souffrir, et d'autres aussi, Bernard Ntaganda, qu'est-ce qu'ils n'ont pas enduré? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas souffert? Et vous savez qu'ils ont été condamnés. Est-ce qu'ils ont le droit de se présenter si la loi ne change pas? Mais le régime a tout fait pour les éliminer, pour les mettre à marge de la société, disons, du champ politique. Tout est fait. Il suffit d'être condamné 6 mois, si vous ne le saviez pas, d'être condamné à une peine supérieure à 6 mois, égale ou supérieure à 6 mois, pour ne pas se représenter, pour ne pas pouvoir se présenter. Donc le pouvoir, le régime a tout fait pour les éliminer. Et c'est ce qui doit changer. Et c'est ce qui doit changer. Donc il n'y a pas de politique possible à l'intérieur de ce pays si ce régime ne change pas. Parce qu'il a tout fait pour bien fermer justement cet espace, pour qu'ils jouissent de cet espace tout seuls. Ils ont tout fait. C'est le fameux mur des lois qu'ils ont installé pour empêcher les autres de participer à la vie politique. Donc, il ne suffit pas d'être au Rwanda pour dire, bah, voilà, moi je suis politicien, ça va. Je crois que nous, à l'extérieur plutôt, ou en exil, nous sommes plus libres d'exercer, de dire ce que nous avons à dire, plutôt que ceux qui sont au Rwanda, qui sont privés de leur liberté, de communiquer, de dire ce qu'ils veulent sans être en prison. Vous avez assisté dernièrement à ces rafles et à ces emprisonnements insensés. Les journalistes, ceux qui osent parler et dire ce qu'ils voient, vous savez où ils sont. Pourquoi Karasira est-il en prison? Pourquoi Ida Mangi est en prison? Pourquoi Tchouma Hassan est en prison? Pourquoi... Voilà, la liste est très longue. Et c'est ça, être au Rwanda pour faire de la politique. Nous souffrons de la même façon, mais nous avons encore l'avantage d'être à l'extérieur où nous pouvons au moins nous exprimer, la liberté d'opinion. Et vous savez qu'il y a dans d'autres pays, en Angleterre, en France, en Russie,
des leaders qui ont opéré en exil et qui ont pu quand même participer aux changements importants dans leur pays. C'est la situation où nous sommes et je pense que nous pouvons être utiles. Quant à laisser les autres, ça, c'est des opérations qui se font en politique. On peut faire coalition. Quand les élections viennent, l'opposition doit réfléchir 5 fois. Ils doivent dire, est-ce que nous pouvons gagner seuls, puisque chaque parti politique ou chaque organisation politique a vocation tout seul à assumer le pouvoir, si le mandat lui est confié. Mais si vous trouvez que seul, vous ne pouvez pas y arriver, vous vous rencontrez, vous négociez encore une fois, vous cherchez le meilleur qui peut porter votre projet, que vous négociez ensemble, et vous désignez celui-là ou celui-là pour vous représenter. Après, une sorte de contrat pour gérer le pays ensemble. Ça, ce n'est pas un problème, ça arrive, ça dépend des circonstances. Et on est prêt, je vous ai dit qu'on était prêt à négocier, et surtout à négocier, et à ne pas arrêter de négocier. On le fera. Alors, merci, merci infiniment pour toutes vos réponses. Alors, nous allons marquer une toute petite pause et puis on va passer en Kinyarwanda et puis on va continuer nos discussions. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui ont participé en français. Alors, on fait une 30 secondes de pause et on passe en Kinyarwanda. Merci à tout le monde. Ikindi kintu cyagaragaye mu byo muvuga no ku rubuga rwanyu no muri guverinoma yanyu hagaragayemo ikintu cyo amacakubiri yo kuvuga ngo abasopecya abavantara ibyo bintu ni iyihe mpamvu kandi mwavuze ko mushaka ngo Rwanda réconciliation hagati y'Abanyarwanda Abanyarwanda kubana None ibi bintu byo kongera kuzana amacakubiri mukora kategori na classification hazajyaho muvuga kubasope cyane no kubavantara byo ni ibiki mwadusobanuriraho gatoya Urakoze cyane. Hari igihe kera iwacu, hari igihe twajyaga nko mu ishuri bakabaza ngo papa wakora iki cyangwa mama wawe, uti ni umuhinzi. Ariko en fait buri gihe ntiyabaga ari umuhinzi, hari igihe yabaga ari ikiraro kibera mu muhanda, ariko kubera ko ntacyo akora ngo ni umuhinzi. Nkaho guhinga nyine ari ukutagira umwuga, kwatari ari ukutagira umurimo. Ibyo ndumva Abanyarwanda bazi icyo bisobanura, twese utagira icyo akora aravuga ngo ni umuhinzi. Ariko umuhinzi uvuze nkaho uri muri Canada uti ndi umuhinzi, abantu babyumva ukundi. Ubivuze mu Bufaransa, umuhinzi ni umwuga ukomeye cyane, yewe urimo n'amafaranga ahubwo kurusha n'imyuga yindi dukeka ko yagombye kuba irimo amafaranga. Ubuhinzi, ikibazo cyacu cya politiki rero ni uko nabyo yabaye nk'ubuhinzi. Abantu bagira ngo kuvuga ibya politiki ntacyo bivuze. Amagambo yose akoze muri politiki, uburyo bwo gukora ni nk'ubwo umukinnyi w'umupira akoresha, ni nk'ubwo undi wese akoresha. Muri politiki, winjiye mu kibuga cya politiki uhasanga iki? Mu kibuga cya politiki ni ku rugamba, ni ku rugamba. Ikibyerekana ni abantu bamaze gupfa mu Rwanda. Wasubiza inyuma ukareba miliyoni irenga y'Abanyarwanda bapfuye, ukavuga ngo icyo kibuga kirimo iki? Ukagenda uhumirije gusa ugira ngo ni ugupfa gukandagira aho ubonye. Muri politiki ni ku rugamba rukaze rubi cyane, mu birebere ku bantu bapfuye. Kubera iki? Ni inyungu rusange,
harimo abajura bashaka kwikubira ibyiza byose by'igihugu babyitwarire biteguye no kumara abantu niba hagwa abantu bangana kuri hakamereka marasanga na kuri ingo zigasenyuka abantu bagafungwa mugize ngo tubijyamo duhumirije muri politike ni mu kibugo gomba gucana kumaso naje bavuga ngakanura ukayakanura ashaka kuvamo ukamenya ngo ninde turi kumwe ninde tutari kumwe ese turi guharanira iki turi guharanira bimwe aho sindi kumwe n'igisambo cyangwa simpanganye n'igisambo kiteguye kumena umutwe ako kanya kubera ko ndi kuvugira rubanda gusa byonyine bigatuma bakurasa mu mutwe abantu rero bagira ngo ni ibintu by'imikino ntabwo ari ibintu by'imikino tugomba gufungura amaso tukareba bura rero kira kibuga cyaguyemo abantu bangana kuri aba president bakicwa abaturage bakicwa bakarangira twebwe twivugiye kumugaragara ko tukirimo nitwe dufite inshingano ya mbere yo gukanura cyane so gucana ku maso gusa no ku mazuru no ku munwa no tukareba tukamenya aho tugiye gushyira ibirenge abantu bari muri iriya politiki abo bafunze urubuga rwa politiki abo bamaze imyaka 30 bafunga abantu bose abo bamaze imyaka 30 bikubira ibintu byose bashyizeho za monopole bakambura abantu ibintu byose ni bantu ki twarabarebye twe twarabamenye twaravuze tuti baratujijisha bakabwira padiri Thomas ngo we uruwo mu bwoko bw'abahutu Louise uruwo mu bwoko bw'abahutu ngo nimwe muhanga turangaje ntitunaziranye nta nicyo twaraniganye twaranabanye twaranashingiranye uri muramu wanjye cyangwa uri ngo nitwebwe ngo dupfa sibo babizanye byari bihari na mbere ariko abantu dufitanye ikibazo muri kira gihugu ariko si ikibazo cyo kugira ngo twicane ubundi twagombye kwicana ni abantu bikoreye umushinga baturuka muri Uganda nabo bari abanyarwanda nubwo hari abo twaganirije ubundi akavuga ati nta nubwo ari abanyarwanda muzareba amategeko kuko yabyerekanaga icyo ni ikindi kiganiro bikorera umushinga wabo baza bifatira igihugu mu nyungu zabo barangije bagicunze imyaka 30 tureba bakagira abo baha dukeya abandi bakabirukana burundu abo bantu nibo twita abavantara nta nubwo ari abantu bose nibo duhanganye mu kibuga tugomba kubasha kuvugana nabo tubazi tukanabereka ko tubazi abo bantu ntago ari ukubacamo ibice rikoreye ritimeze kereka ushaka kuvuga abo bantu ni intama z'Imana abo bantu rwose ni nkatwe abo bantu ntacyo badutwaye ntawe bigeze bica ntawe bigeze bafunga ibyo byakumvikana ariko siko bimeze abo bantu rero twita abavandara twarabagenzuye neza turabazi ko izina si ryo ribica ikibazo ni ibikorwa bakora nibyo bituma tubita dutya nibura ngo tubatandukanye n'abantu ariko si ukubatandukanya gusa twari ubundi so intambara yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa cumi ayo mateka se twari twayibagirwa ubundi so wagize icyo atakaza ninde wagize icyo atakaza n'uwari ufite icyo afite mu Rwanda niba ari ibyo turi kuvuga abari bari mu Rwanda se nyine batwaye gute byagenze gute nibande se bandi bapfuye uretse bo ari abana bohereje ku rugamba bahaguye bakashirira ari abaturage bari bahari abasenyewe amazu abagiriwe bate abo bavangura ubusi byiza byose by'igihugu ntituzi kubibara tuyobewe se abafite ekonomi tuyobewe se abafite ayo mahoteli tuyobewe se abafite za entreprise zifite monopole nabo ngabo nyine nuko twabibonye nk'uko mu kibuga cy'umupira utajya gukina utazi ikipe muri gukina ngo nibishoboka ibifite iniforume itandukanye n'iyanyu mumenye n'umukino bari gukina twebwe no kutubyita abatari muri politiki babitwubahire tuzi icyo dukora ubundi baturebe barebe ko ari urwango dufite twe nta rwango dufite cyakora bari abo batubonye urwaho baradukidinapa bakohereza indege zo kudutwara barafunga nyine byayo bya Victoire mwavugaga barakubita baranica ndetse Kizito so bari hehe yari abatwaye iki se yari ari muri politike se bamwice se tutareba baje ipoli bari abana bose barazira iki bo bari icyo twe nta muntu turica nta gahunda tutubifiti batwubahire rero icyo tuvuga bareke kuzana ibintu byo kuvanga ngo murabavanguye ngo mugize ubundi se yaba twadushobe kubavangura twanabavangura abantu bica abandi ariko mwebwe murabakinishije ariko mwuka byara ngaho nuko nasubizaga ariko ntabwo ndi kubuza abandi kumbaza ntabwo nabahatira kubyumva gutya ariko twe umukino niko turi kuwureba kubera ko turi mu kibuga ubu mukanya wakumva banambyitanye kubera ko mbivuga ku mugaragaro mfite inshingano zo gufungura amaso nkareba abo ngabo nyine mbese baranyikira iki ngaho nuko niko bimeze aha none se mwavuze muti abasopecya babaga mu Rwanda nibo bapfuye nibo batakaje ibintu byinshi hanyuma habaho bo ngabo bavuye mu mahanga bavuye cyane cyane muri Uganda hanyuma bafata bikubira ibintu byose ariko se dusubiye inyuma mu mateka ntimubona ko abo muvuga ko bavuye muri Uganda nabo ni abanyarwanda kandi nabo kera babaga mu Rwanda kera bari bafite ubwo butegetsi bafite ubutaka bafite inka bafite ibintu byinshi nabo bari barahunze bafite ibyo bibazo bya politiki
kuvuga rero ngo abanyarwanda babaga mu Rwanda nibo ba mbega nibo bafite loss nibo bafite ibyo baperze nibo bapfushije ndabona ari nko kutareba kure mu mateka kuko nabo banyarwanda batashye mu Rwanda nabo bari abanyarwanda kandi nabo bari barahunze u Rwanda rwabo rwabo nabo bafite byinshi cyane bari barasize muri urwo Rwanda kugaruka muri urwo Rwanda rero ni ukugaruka mu gihugu cyabo ntago mbona ko abanyarwanda babaga mu Rwanda bafite monopole kuri icyo gihugu no kuvuga ngo u Rwanda ni urwacu ngo byari byatu nitwe twapfuye aho ni ukwirengagiza ko nabo batashye nabo bari abanyarwanda kandi nabo bigeze kuba muri urwo Rwanda rwigeze kuba urwabo urakoze cyane icyo nagisubiza mu buryo bubiri uburyo bwa mbere bwo gukora politiki itagize icyo igeraho no kujya kurwana na Kigeli witabye Imana cyangwa se na Rudahigwa wapfuye muri 57 no kurwana na Kayibanda wishwe muri 73 no kujya kurwana na Habyarimana utakiriho nubwo ibyiza bakoze tugomba kubimenya n'amakosa aba barakoze akatwigisha ariko mu rwego rw'igihugu ubu ngubu na politiki abo ntibakiri ikibazo ubu ni mureba abo turi kumwe ubu ngubu abo turi kumwe na politiki ni la gestion de la chose publique nicyo abantu bapfa no gucunga mariage ivuka haba muri leta habahe ibyiyo kamana byaje nyuma kwa kugira umugore n'umugabo bumvikana uko bazacunga imitungo politiki no gucunga umutungo w'igihugu kugira ngo ugire akamaro bose bari abavandimwe bacu ntawe bambuye ubunyarwanda kandi kuba baraho baturutse sicyo cyaha sicyo kibazo bafite igihugu bari barimo natwe turi impunzi natwe tuzataha ikibazo ni imyitwarire yabo ikibazo no kugaruka bumva noneho igihugu noneho bacyambuye n'abari bakirimo noneho ni icyabo bubunyine abandi babice aho niho ari ikibazo umudamu w'intwari cyane witwa Adeline Rwigara ndamuvuga kubera ko yabivugaga ku mugaragaro kandi nta banga ribirimo twigeze kumubaza ikibazo ari kuganiriza abantu singe wakimubajije bamubwira ati ariko buriya ni gute Rwigara yafashije inkotanyi hanyuma none zikaba zinamwishe buriya mubyumva muti madamu Rwigara yasobanuye ikintu kinyura umutima rwose aravuga atumva twebwe umugabo wanjye yarakoze mumbabare mutindeho gatoya yarakoze agira ubushobozi akiri na mutoya kuburyo yageze kuvuga ngo ngira ngo hari abandi benshi bari bahari sinari mba n'ingenye yewe na Serge twari kumwe abantu narindi nawe yanshyigikira ati kuburyo president Habyarimana yigeze no kuza kumushaka aramubwira ngo ndashaka Rwigara ngo ati ndahari wa mwana we ndashaka so mbwira so azi kubera ko uko yarazwi mu gihugu president Habyarimana agira ngo ni umuntu mukuru cyane agiye gusangasanga n'agasore k'imyaka 20 karangije gukora izina noneho madamu Rwigara aratubwira ati icyo gihe rero nyuma twatangiye twashingiye tukiri bato dutangira kujya tujya rimwe na rimwe muri vacances tukajya mu bihugu bya Afurika ati ndetse tukajya n'i Burayi ati dore ikintu cyaje kudukoraho rero iyo twashyikaga mu Burayi cyangwa muri ibyo bihugu twasangaga impunzi nk'amwe ubwo bitubwiraga ari mu Rwanda twe turimo ati zikatubwira ko zitemerewe kujya mu Rwanda nk'ibi byanjye mbavuga ngo barambushije ati umugabo wanjye nkabona ari kubatega amatwi akumva akababaro kabo ati nuko yafashwe arabashyigikira ati ariko twabashyigikiye tuzi ko ari abantu bazaza bakabana n'abandi banyarwanda bagashyika mu gihugu cyabo kandi n'uburenganzira bwabo twari tuzi ko ari abantu bazaza bagasangira n'abandi banyarwanda ibyo basanga ntabwo twari tuzi ko bari gutumare ko bazaturimbura bagadutsinda no mu byo badusanganye bakabitwambura byose ubu wa madame Rwigara ijambo ntabwo yamvuguruza nzi ko wenda ari no kubyumva cyangwa se azabyumva n'ejo ikibazo dufite kuri abo bavantara nicyo ngicyo iyo bataha ari abanyarwanda nk'abandi barekara mu burenganzira bwabo bakabuhabwa cyangwa se bakanaburwanira nk'uko baburwaniriye ntabwo njya mbigiraho ikibazo ariko bamara kububona bakibuka icyatumye bahunga bakareka guhunza abandi bakareka kwambura abandi ibintu byabo bakareka kugira abantu kubambura uburenganzira bwabo mu gihugu reka induru ntayo tuba tuvuza ndakubwiza ukuri imyitwarire yabo niyo dufite ikibazo saho bakomotse rwose ndababwiza ukuri kubita kari akazina nakaba batisimu gusa tunagahinduye tukabona kandi kanyuze nta kibazo ikibazo ni imyitwarire yabo yaba bari abanyarwanda atari babanga mwabo twaba tubashaka wiki ko twabana mu mahoro nyine mu gihugu ariko barica kereka niba abantu babyibagira barica kugera n'igihe bica kizitomeye ikindi kibazo abantu babajije bavuze bati nyuma y'ishimutwa rya Paul Rusesabagina Kagame yavuze ko namwe mushobora kwisanga muri mu mapingu i Kigali ese nta mpungenge mufite ko icyo gihugu mutuyemo kizabagambanira cyane cyane ko icyo gihugu gikorana gisigaye gikorana na FPR na Kagame mu rwego rwo kugira ngo babafashe dosiye y'indege ya Habyarimana
Kagame yahanuye dosiye yo kwica umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abafaransa bari batwaye iyo ndege. Abafaransa barayifite, byose barabizi, bakoze enquête barabyibonera, ariko kubera intérêt politique n'umubano wa politique bafitanye na guverinoma ya Kagame nta kintu barabikoraho. Rero nta mpungenge mufite ko icyo gihugu mutuyemo cyabagambanira, hanyuma nk'uko Kagame yabyivugiye namwe bakabashimuta nk'uko bashimuse Rusisabagina. Ku itariki ya 28 z'ukwa mbere mu 2013 nibwo twashinze ishyaka Ishema. Noneho twari twahuye tuvuye mu bihugu binyuranye. Noneho turangije iyo nama twari turimo, uwari mukuru muri twebwe mu myaka yitwa Deogratias Sibasesa yabo, ndizera ko bitamubabaza, ntabwo ari ibanga menye, dusezeranye aratubwira ati murabe warigiye tutazongera kubonana. Noneho ndamubaza nteze kubera iki? Turamubaza twese turaho, niwe wari mukuru muri twebwe. Dogiteri Basesa yabo aratubwira ati ubuse arashira icyumweru Kagame adaciye uwa mbere ijosi. Ko tubishyize ku mugaragaro, ko tuvuze ko tubigiyemo, nagira ngo nsubize uwo ngubwo guhera uwo munsi ijosi rishobora bashobora kurica anytime, nk'uko Abongereza babivuga, kubera ko abo duhanganye baca amajosi nyine bica abatabarwanyije, abavuga ko batagombye gucunga igihugu nk'uko bagicunga bonyine. Nta mpungenge navuga binteye, kuko nzi ko kujya muri ibi ngibi, erega n'abandi bajya babimenya, nakwifuza kuba naricecekeye nkigumira mu ikanzu y'ubupadiri nkayihishamo, nkajya nigendera mu Rwanda nk'abandi, nkongera nkagaruka ntacyo bintwaye. Kwishyira ku mugaragaro imbere y'ubutegetsi nka buriya, kimwe n'abo turi kumwe bose bishyize ahagaragara, mujye mumenya ko iyo ntambwe twayiteye yo kumenya ko dushobora no kubipfira. Ndipure rero nariteguye rwose, ntimuzandirire ko banyishe kuri icyo, muzandirire wenda ko ibyo naharaniraga ngiye ntabigezeho, hanyuma abakurikiyeho ariko nabo babikomeze, kuko birareba abanyarwanda benshi, n'abanyarwanda benshi bambuye uburenganzira bwabo bagomba kubuharanira, ariko kubupfira birashoboka. None se murabona nyine turinzwe n'iki? Ko turinzwe n'Imana. Murabona ari ikindi giturinze se nyine? Ariko ntabwo bafite rwose bwo guharanira ubwo burenganzira. Nzabuharanira pe, Imana nimba kubigeraho ndi kumwe n'abandi nzabyishimira. Ninsigara hakuno nka Moyize yarwaniye igihugu cy'isezerano, ayobora umuryango, ageze hakuno arahagwa abandi barinjira. Nicyo cy'ingenzi, urugamba tururiho tuzarukomeza kugeza igihe Imana ikidutije ubugingo. Ariko mujye mubimenya nyine ko bishoboka, byavuzwe se n'iki gushoboka? Ariko ntibiduce intege, turakomeza. Muvuze ibyo ngibyo bya Moyize bihita binyibutsa ikibazo nari mfite ku byerekeranye colonisation spirituelle. Colonisation spirituelle ariyo colonisation iciye mu madini. Mwebwe muri abantu mwakoreye idini, ariko amadini muri Afurika ari mu bibazo dufite. Amadini yaje aherekeje abakoloni, aje kudukoloniza no mu mutwe. Ese mubona role y'idini asigaye ari iyihe? Kandi ko idini baryifashishije mu kuzana nyine iyo colonisation spirituelle, mwebwe nk'abantu babaye muri iryo dini mwabyibohoye mute, cyangwa se mubona u Rwanda ruzibohora gute iyo colonisation spirituelle yazanywe n'amadini? Icyo kibazo kirakomeye cyane, kubera ko abana iyo bavutse bararerwa, kandi umubyeyi abarira ukwari yuvutse. Wa muhanzi yigeze kuvuga ati umwe yaravutse asanga nyina ni umusazi, akamugenda ntiyagiye, akarya ibyo abonye, yarwara ntavurwe, ati warababaje, si ibyo? Umubyeyi aguha icyo afite. Aya madini rero ntabwo ari twe twayihamagariye, twarayasanze. Hari idini rya gakondo, ndabizi ko narikomeyeho cyane, uretse ko naryo ntaryo tuzi mu by'ukuri, kuko ntaryo banatutoje ngo banaritwigishe, nari kwifuza kurimenya nanjye. Aya madini yaraje niho ibihe byari bigeze, azana n'abakoroni batuzanira civilisation, niko byari bimeze. Ntibyabaye kuri twebwe gusa, byabaye n'ahandi hose. Abagereki n'abaromani bakwira isi yose, babatoza umuco wabo. N'ibi bihugu turimo nabyo byakoronijwe n'abaromani n'abagereki, bafata umuco wabo. Amadini rero yazanye, yaje muri iyo nzira, turayakira. Icyo nakubwira ni uko amadini hari ibyiza byinshi yazanye, azana amashuri, araturema nyine nk'uko bagomba kuturema, bumwe abo nk'uko abamisiyoneri baturemye nyine. Harimo byinshi cyane byavugururwa. Hari n'ivu umuntu ageraho akabibona nyine, gutandukanya iyobokamana n'umuco biragoye. Batuzaniye umuco wabo, kandi batuzaniye buri gihe n'ibyiza gusa, batuzaniye n'ingorane zabyo.
ibyo ngibyo nyine nibyo bya binda abantu iyo bafite igihugu bicara bakaganira bakavuga ati ariko niki kiwacu twakongera tugasubizamo niki twagarura niki twagukisha abana bacu ariko kugira ngo abantu bagere kuri urwo rwego madame Louise nuko baba bashinze ibirindiro mu gihugu cyabo bakabanza bagatuza bakareka intambara bakabanza bakabona icyo kurya n'icyo kugaburira abana barangiza noneho bagatangira gucaranjinga n'aya madini bavuga bati iki twagikuraho iki twagikuraho muri ejo turi kuganira ku by'amateka batubwiye constitution ya mbere yagenze u Rwanda ukuntu bashyizemo ngo umugore ufite abagabo babiri umugabo ufite abagore babiri ntabwo yemerewe kwitoresha ngo abe umudepite icyo gihe bari bari kurwana n'icyitwa poligami kandi cyari mu muco nyarwanda nyamara bari kurwana nacyo kubera idini bararwana bararwana itegeko baza kurishyiraho no abantu bagenda bevorwa bukebuke ikimpangayikisha suko amadini twanayibohoraho ku bintu byinshi bitadukwiye ikibazo nuko nta mutima dufite wo kwicara hamwe ngo intambara zishire abantu batekereze bakore filozofi yabo bamenye icyo bigisha abana babo bamenye indangagaciro zabo bamenye icyo twakugira ku madini kizima bamenye n'icyo twakugira ku muco wabo kubera ko duhora mu ntambara muri byacitse uwo mwanya ntuboneka nuko nyine bakadukoloniza ndabyemera bakadukoloniza mu mutwe no mu bitari ngombwa gusa nuko nabivuga icyakora ndi muri position yo kubibona kubera ko idini narirezwemo kandi ntugire ngo narasibaga amasomo no rwose yose nayajyagamo ngera ku rwego rwo kuba umusasaridoti ngera mu rwego rwo kwiga teolojiya ku buryo bukomeye ngera mu rwego rwo kwiga filozofiya ku buryo bukomeye nzana hano niga ibyabo ndeba uko babikora ndeba uko rya dini batuzaniye bo batanarikurikiza na busa ariko indangagaciro z'iryo dini bazishyize no mu mategeko y'igihugu cyabo muzarebaho muri Canada niyo baba batajya gusenga batemera Imana ya Gatolika cyangwa ya Protestanti indangagaciro zose idini ryazanye icyo gihe barangije kuzishyira mu mategeko yabo nibyo bibubakiye amategeko niyo mpamvu yitwa Societe Judeo Chrétienne indangagaciro bo bazikuyemo rwose iby'idini by'ukwemera Imana babiharira ubishaka wenda natwe nirwo rwego twazageraho mu gihe tuzaba twageze ku rwego rwo kureka kubaho nk'ibirura biryana wenda tugasubira mu muco wacu koko tukareba icyadufasha naho ubundi baracyadukoloniza igihe kirekire cyane igihe tukiga mu mashuri yabo igihe tugikurikiza amadini nkuko yatubwiye nta na kritike dushyiraho bazadukoloniza igihe kirekire ariko ntabwo ndi gusenya amadini ashobora kuzana ibyiza byinshi ariko amadini ashobora no kugenda mu bubandi n'ubujura n'ubwicanyi bwinshi cyane n'amatiku no gucamwa abandi bice ibyo byose birashoboka rwose kandi ni intwaro ikomeye kuko ibwira umutima w'umuntu idini wamaze kuryemera nabonye abapasiteri basigaye bakarabya abakobwa mu misa bakarabya mu kiliziya ibyo batagombye gukora nabonye ababarisha ibyo batagombye kurya muri bo bari gusangiraho mutagatifu ngo amadini yatagenzuwe neza ndamutse ngize icyongeraho mu Rwanda hamwe n'abagenzi banjye icyo kibazo twazakitaho cyane amadini agomba kugenzurwa utayabujije uburenganzira bwayo ariko tukamenya gutandukanya ikiri idini n'iyindi mico mibi abantu bari kuzana bitwaje idini urakoze ikindi kibazo nagira ngo mbabaze ni kubyerekeye na porte de sortie pour FPR na Kagame bari accusé de génocide contre abitwa abahutu contre abakongore mwebwe mubona bizarangira gute idealement mwebwe ni nk'iki mwaproposa ubu butegetsi buriho nka exit plan kubera ko iyo umuntu ahanganye n'umuntu niyo waba ugiye kumutsinda abakeneye exit plan ni byiza kuri wowe ni na byiza no kuwo muhanganye nawe none kuri mwebwe mufite ubushobozi niyihe exit plan mwaha Kagame na FPR ni iki mubifuriza icyo kibazo ni cyiza cyane ariko kiragwa hahandi wahoze umbaza kare mu gifaransa kuki muganira n'abantu badashaka kuganira ariko kuki mushaka kuganira dorega aho ikibazo kibereye nawe inkotanyi zizarangiza nabi cyane kubera ko ibyaha bakoze bizabagaruka byanze bikunze bazafatwa n'ubutabera bw'igihugu bazafatwa n'ubutabera mpuzamahanga ntabwo bazabikirira kubera ingeso imwe gusa ko badashaka kuganira kuko buriya igisubizo nta n'ahandi kiri mu Rwanda nitwe twagikemura nitwe twabyishakira buriya mu Rwanda turamutse twumvikanye tugakora imishyikirano nyamishyikirano tukibaza ikibazo nk'uko uri kukibaza madame Louise ibi bintu tuzabyikuramo dute ibi bintu mwakoze muzabyikuramo mute twakora iki ngo turebe ko twarimitare kase cyangwa se twabona igisubizo ni ukuri kose twabigeraho kuko abanyarwanda buriya turamutse tubyumvikanyeho yewe abantu bashobora kunegosiya ibintu bikomeye exit plan ni iyihe
nta kindi gishoboka cereka FPR yemeye kuganira nabo muri opposition cyane cyane ababigaragaje nko tubishaka tukicarana tukaganira tugashyiraho guverinoma duhuriyemo twese guverinoma y'inzibacyuho isuzuma nyine bene ibyo bibazo igasuzuma ibibazo byose biri muri kiriya gihugu igasuzuma iby'ingenzi igasuzuma iby'amategeko abangamye igasuzuma ibibazo by'impunzi igasuzuma ibibazo by'abagororwa igasuzuma ibibazo by'imibano mibi n'abari abaturanyi igasuzuma n'ibyo bibazo by'ibyaha byakozwe icyo nkundira politike rero cyakora nyihuza n'iyobokamana burya mwiyobokamana bajya bavuga ko bamwe bitangaza iryo jambo bari ducengejemo kwezi yakoze ibitangaza ko ibitangaza bishobora kuba ndabyemera cyane ariko n'abantu barabikora ibyo Yezu yakoze natwe twabikora burya twabikora wenda ntitugeze ku rwego rwe reka mbivuge gutyo hatagira uwumva ko twigereranije ariko ibitangaza abantu bakora kandi nawe yarabivuze unyemera azakora ibitangaza nk'ibyo nkora ndetse narenzeho niwe wabyivugiye burya twakora ibitangaza byinshi politike rero yo niho ihurira n'iyobokamana ikora ibitangaza byinshi kubera ko twicaye tukabyumvikana tukabyandika mu itegeko bigatangira gukurikizwa ni igitangaza kiriya kibazo ntabwo kigoye cyane nubwo ibyaha bakoze ari ibyaha bimeze bitukura nk'indubaruba abantu bashobora kunegosiya bakabona igisubizo muri Afurika y'epfo ntabwo abantu bari bazi ko abantu bashobora kubona igisubizo byarantangaje kumva umuperezida w'umuzungu ajya gushaka Mandela wari ufunzwe imyaka 30 yose akariwe baganira akabariwe babona na porte de sortie kuganira burya niryo banga ry'ibisubizo byinshi zirangotanye zivuze ati umva turashaje twakoze ibyaha ariko dufite abana ntako twabigenza ngo tubone igisubizo n'ukuri kose twabibona kandi twajya kunegosiya nabo twahemuke kuko bari n'abaturanyi twanegosiya byanze bikunze n'abanyekongo nabo tukabona igisubizo ariko bizaturuka mu Rwanda tutari kuryana tutari gushihurana nta handi igisubizo kiri ni mu kuganira tuganire twabona igisubizo tukabishyira mu mategeko niba ari imbabazi rusange zitangwa niba ari ibihano byoroheje nk'ibyo muri South Africa bavuze niba bavuga bati basireka tuvuge ikintu byagenze dutangire processus ya reconciliation abakoze ibyaha wenda babyemere basaba imbabazi wenda banagabanyirizwa ibintu cyangwa bivanwe burundu ibyo ni ibintu biri mu bushobozi bw'abaturage ariko bishoborwa gusa n'abashobora kuganira ngaho ho ryabanga ryo kuganira riri ariko niba tabishaka niba tabona kandi turiteguye twebwe erega nta rwango ruturi mu rwose ntabwo tuvuga ngo bari abantu nabicanye byanze bikunze ngo ni mu bacamajosi bw'igisubizo kizaba kibone nta gisubizo kiraho ariko baretse iyo ngeso yo kurimbura abandi bakareka tukicara tukaganira n'ukuri kose twabona igisubizo tukagigira igisubizo gisubizo politike nicyo gikomeye kuko igisubizo cya politike cyo cyarangije kuboneka habaho igisubizo kijya mu mategeko kikajya mu butabera byarangiza bikajya mu bubanyi n'amahanga tukajya kunegosiya ubudage bwagiye bunegosiya n'ibihugu icyo bushoboye kwishyura buracyishyura icyo budashoboye nuko n'ubu biracyakomeza n'ubu biracyakomeza hari abantu bagitanga amafaranga kubera ibyaha bakoze natwe dushobora kubiganiraho n'abaturanyi ziriya ntambaro wabasha kuzihagarika zonye abakongomani bakiberaho mu mahoro abarundi bakiberaho mu mahoro tutakibatera tutagiteza umutekano muki wabo yaba ari ni parti de la solution hanyuma kumvikana ko ari ibikorwa by'amajyambere twakorana kugira ngo dutere imbere ni nk'aka kanya ariko igisubizo kiri hehe nta handi ni habi ntambaro yo gukuraho inkotanyi inkotanyi zirawunyoye zo n'abana bazo kubera iki mwabonye ingaruka ku ruhande rwatsinzwe uko byagenze mwabonye ingaruka zikora ku babyeyi zigakora ku bana zigakora no ku buzukuru uko zimeze mwabonye bari abavandimwe umunani bari muri Niger bamwe bagizwa bere abandi barangije ibihano bakizerera abagore babo babayeho bate ntabwo babayeho imyaka irenga 20 nk'abapfakazi abana babo babyirutse bate ntabwo babyirutse nk'impfubyi kandi ababyeyi bakinahumeka ubwo nditwere tuvuga bapfuye ziriya nkuta zo noneho zaranabikoze ku mugaragaro ziranakabya ziranambuka zijya no muri Congo n'iby'i Burundi birahari n'ibyo muri Uganda byaboneka bura barabona bizagenda gute ibanga riri hahandi Madame Louise twavuganaga baramutse cyakoraho noneho biri mu biganza byabo baramutse bemeye kuganira cyane cyane ko twebwe turi generation y'ikibyemera ibyemera ishobora kuganira nabo tukemera kuganira nabo tukaba twabona igisubizo niba batwumva ubu nibashaka babyumve ariko niba badashaka kubyumva nyine ntawabibatera mu rushinge urakoze muri kuvuga ibiganiro bigatuma ntekereza nti ese ni bande muzohereza mu biganiro kugira ibiganiro bisaba diplomasi byaragaragaye ko mushobora kuba mufite nka faiblesse muri diplomasi yanyu kuko nk'umuntu akritika guverinoma yanyu ukabona bamwe mu bakozi banyu baramututse cyane kandi bari bashinzwe diplomasi noneho abo ba diplomate mufite ni bande ko ntabo tubona
hanyuma nabo mwashinze diplomasi tukaba twaravuze ko nta diplomasi bashoboye étant donné que umuntu abakritika bagatukana gusa noneho na resulta yo kubakritika yo kuvuga ko nta diplomasi mufite nta niyo mushoboye hakavamo gutukwa gusa rero mumbwira ukuntu abantu muvuga ngo mushyize imbere negotiation n'ibiganiro kandi nta n'abantu mufite baba diplomate digne de son nom bajya muri ibyo biganiro. Murakoze cyane ku byerekeye guverinoma y'u Rwanda ikiri mu buhungiro. Reka mbibutse ko ari guverinoma y'abakoranabushake, ni guverinoma yabiyemeje gusa. Hari abantu bajyaga bambwira atari kuri abaminisitiri buriya wamuhisemo uti rega nta ntawe nahisemo ga ngewe nkorana n'uwashatse ko dukorana turegerana turaganira turakora yombi wihitiramo natowe nk'uko wahoze ubivuga wenda hari izindi kriteri nagenderaho mu guhitamo cyane cyane ko ufite n'icyo ubahemba ugashaka na kompetanse zikwiye urugamba turimo suko rumeze. Bariya abantu mujye mubakunda cyane munabashyigikire n'abantu bitanga iyo turi kumwe tuba tuzi guverinoma ya mbere twatangije tujya kugabana imyanya byabo ndi wazuvuga ngo gutorana uko byagenze twahereye kuri perezida tumuhitamo noneho turangije tujye gutora za minisiteri uzi icyo twagendeyeho twaravugaga tuti buri wese twifuzaga mbere gukora minisiteri zingana n'izo mu Rwanda kugira ngo buri mu minisitiri agire uwo akurikirana agire minisiteri akurikirana ariko turebye uko tungana n'ubushobozi dufite turavuga tuti noneho reka buri wese avuge icyo yashobora aba ari cyo tugenderaho niyo kriteri yongere twagendeyeho na nubu kandi turacyabikora gutyo ubu umuntu dushaka kumushyiraho adashaka aho gatoya iyo liberite twayiha ariko mumenye ko iyi guverinoma ni guverinoma y'umwe ishyamba ni guverinoma itaruzura ni guverinoma igikeneye amaboko ni guverinoma igikeneye abanyabwenge ni guverinoma igikeneye abanyempano ni guverinoma igikeneye ubushobozi ntabwo ari guverinoma yuzuye ifite ibyangombwa byose noneho uti hari abatukana kuganira abanyarwanda ntitwatoje kuwe kuganira pe ndakubwiza ukuri abanyarwanda nicyo kibazo kinakomeye kitugora muri politiki abanyarwanda ntitwatojwe kuganira kubera ko iyo mubwiye ukamvuguruza ndarakara narakara intambara ikabiravutse kubera ko icyitwa débat contradictoire ntabwo cyari mu muco wacu kubera ibya gihake n'ibya cyami no kuyobera kuyoborwa na régime militaire. Régime militaire ni ukuvuga iki ordre obéissance niko bakora kandi birumvikana mu gisirikari uramutubwiye umusirikari tujya hano afite imbunda ati ntabyo nshaka undi ati nanjye ndajya hari undi ndajya hano ako kajagari ndikakunda bigorwa gusa abasirikari bagiye muri politiki nkaba Kagame noneho akaba aribyo bazana twese bakatubura nkaho turi abasirikari ngo twavuze nimukurikire kuganira bikaba bivuyeho ni nabyo bisenya ibihungu twebwe rero nabyemera ko rwose kuganira tukibyitoza ni nayo mpamvu twitwa guverinoma tukibyitoza kandi dutera intambwe rega buriya tubifite amahugurwa tujya twihugura ariko ntabwo tugitukana cyane da uzabirebe neza wenda batukana ndi tukiri kumwe ariko muri guverinoma yacu rwose ibyo turi kubyitoza cyane kwiga kuganira n'abandi gusa nyine hari abazana akavuyo nyine sinababwiye ko muri politiki ariko urugamba abantu bajye bapfiramo bakagwamo hari igihe umuntu azana nyine nawe ari ku rundi rugamba bigaragara nyine wamubonye ko ari ku rundi rugamba ari kubarasaho uwo ngo ni bamurasaho gatyo ya nawe wenda batamwishe ndibiza kubabaze cyane nawe aba yashotoranye ariko ngarutse ku byo watubwiraga muri diplomasi turakitoza kuganira ariko hari abantu bafite bashobora kuganira simpamya ko abikigari baturusha kuganira nyine nicyo cyabananiye kuba twaganira nabo birashoboka rwose cyane ikindi nuko hari abantu benshi badushyigikiye turi kumwe bafite kompetanse batagaragara muri ibi ngibi bashyira mu gaciro bakavuga ati c'est très dangereux ntabwo dushobora kugaragara ariko context yo kuganira iramutse yabonetse nk'ubu ngiye hari abadiplomate banyandikira babaye n'abadiplomate mu gihugu batugira inama akavuga ati muri no kuhakora neza ngewe nabikora gutya bene abo bose context iramutse ibonetse ntabwo ari bari abantu 11 n'abiri gusa bo muri guverinoma bavuga ngo ibyo bintu barabyifasha byanze bikunze hari abandi context iramutse ibaye favorable yatuma abanyarwanda baganira hari n'andi magroupe ga ntabwo ari guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yonyine hari n'andi magroupe yabigiramo uruhare abafite impano bakayobora ibyo biganiro uko bikwiye birashoboka rwose cyane icyo turwanaho ni cya kindi n'ubundi ni uko ubwo burenganzira bufunguka ku banyarwanda bose naho ubundi twe twagira uruhare nk'uko n'abandi barugira twe twarabyemeje tuzaba duhari ariko ibyo tudashoboye hari abandi babishoboye yenda batagaragara ubu ngubu cyangwa se bakora badashaka kugaragara badushyigikira batanashaka kugaragara bo yenda mwazababona mukabona ko ya guverinoma burya itari ari igaragara gusa yonyine ndumva ariko nabigusubiza ariko ku byerekeye gutukana biratubabaza cyane gutukana ntabwo bikenewe muri iki gihe gutukana gucyurirana nta gisubizo kirimo ariko
turi kubyitoza turi no kubinoza neza kuko abanyarwanda afite bakeneye no kubona iyo difference hari umuntu wari wanditse ngo FPL ni abashumba ngo bajye babatuka none se niba ari abashumba niba batukana mwebwe mutaniye he niba namwe muhinduka abashumba namwe mugatukana numva ko icyo kintu nyine ari imyumvire y'abanyarwanda bagomba guhindura ko niba ari abashumba arabicanye batukana ntabwo mwebwe muri muri opposition mwagombye kuba nkabo mugomba kwereka abanyarwanda difference justement yuko mwebwe muri better muri mieux que abo bantu nyine tuba tunenga ikindi kibazo nabaza ni kubyerekeranye n'igikorwa cya manifestation i Paris ejo bundi twababonyemo mwari mwagiye muri manifestation donc biragaragara ko ONU yongeye nanone ikadusova u Rwanda na Afrika niyihe mpamvu mwakomeza kuharanira no kubwira ibibazo ONU no gukora mwene izo manifestation kandi mubizi neza ko ONU nta nari mwitigeze idesova u Rwanda nta nari mwitigeze idesova Afrika icyo kintu cyo gukomeza gushaka ibisubizo mubishakira no muri ONU ni ibiki mubona hari ibisubizo ONU izigera ituzanira urakoze cyane ikireba ONU kirareba na communauté internationale muri rusange n'uruhare rwayo mu mpinduka zo mu Rwanda reka tube turetse manifestation dufate nk'ikibazo cya Paul Rusesabagina Paul Rusesabagina inteko y'Uburayi yarateye parloma y'Uburayi yarateranye ikora umwanzuro ungana n'itegeko aba guverinoma yo mu Bwongereza yamuvuze ko umuntu agomba kurekurwa ifata umwanzuro nawo uremereye cyane wagize n'ingaruka ku buryo na ambasaderi wagomba kujya mu Rwanda bamwanze abanyamerika bakoze nk'ibyo barangije baricecekera umuntu akavuga ati ariko se kubera iki Paul Rusesabagina atava muri gereza niki kibura harabura uruhande rwacu iriya mu bafaransa baravuga ngo irivutande une perche buriya umurimo wabo baba urangije ahasigaye nitwe gabanyarwanda tugomba kwikorera ibyacu loni rero loni twigadurwa twayize muri chapitre yitwa les instruments de la justice internationale les instruments bivuga ibikoresho ni igikoresho rero kiba efficace kubaze kugikoresha yoroni yagufatiye ambargo yoroni yafashe indege ngo baze gukurasa baragutumura da kubera abahanga bazi kubikoresha abanyarwanda niho mbona tugomba kujijuka tukamenya ibyo ari byo none ntabwo zaza kutwirukanira abategetsi hariye nigihe yaza guhagararira amatora nige nuko mu Rwanda byari bishyushye hari abantu bari kubirwanira bari kubiharanira banahanganye none tireka tugira icyo dukora ubu rero uruhande rumwe rusa naho rwacecetse cyane rwiberare muto nyene rwitwara nkanga bigutama urundi nirwo rukoresha inzego zose bashyiramo corruption babagura ngiye mbona communauté internationale yadushyigikiye yikoze raporo nka raporo mapping yo mu 2020 yo ku itariki ya mbere z'ukwa 10 2010 ikavuga ati buri abutegetsi bwo mu Rwanda ikintu bwakoze ni genocide habonetse urukiko uragira ngo roni yongere ikora iki kintu asigaye militance y'abanyarwanda guhaguruka tukabiharanira nibyo byatuma binaba zira abakongomani barabitangiye bati ni hajye urukiko kandi ruzajya urukiko zareba ruzajya upe kubera ko bari kubiharanira bari kubirwanira niba bikomeza birumvika hari rero nka bampamagarira abagenzi banjye ko Loni ntabwo yashyira ku ruhande ikiriho nyine kereka nivaho ikiriho ne instrument ni igikoresho nimutayikoresha ngo muyifate abandi bazayikoresha kandi tumare nkuko nyine bamwe bazi kwikoresha ikaba yagiraho abandi ingaruka nkaba mbona rero ariyo mpamvu tugomba gukora za manifestation ariyo mpamvu mu Rwanda no hanze ariyo mpamvu tugomba guhaguruka tukavuga icyo dushaka buriya nk'abari abantu munani bari muri Niger tubihagurukiye ntibi manifestation imwe gusa ntibi barwa guverinoma Rwanda yandikira secretary wa Nations Unies abanyarwanda bakagaragaza ko kiriya kibazo kigomba gukemuka mwareba bagikemura rwose kuko abantu baba bafite bene bo ariko twese twicecekeye babandi bazi kubagura barabagura nejo ubundi ukabona babashyizemo ikiziriko babatuye i Kigali ibyo barabidukoze imyaka 33 irashize mwibuke ko nicyo nasubiza ne instrument de la justice internationale abazi kuyikoresha twige kubikoresha indege nke turazifite abanyarwanda bamwe bameze nk'abasinziriye benshi nako bameze nk'abasinziriye batekereza ariko ari abandi bazabibakorera nyamara uruhare rwacu nirwo rw'ingenzi tudateye hejuru dore buriya ejo bunene twivumbura tugatera hejuru aba bamakuru bajyaga i Kigali nibo bazaba bambere kudushyigikira cyo zareba nibo bazaba bambere kudushyigikira
Kadhafi yaje mu ipari akora ibintu bitigeze bikorwa n'umuntu n'umwe, azana tante z'ababedwa azishyira muri Elize kwa perezida w'Ubufaransa, bararana hafi iyo y'inzu ye, hadashize imyaka ibiri uwo perezida yari ari kumurasa amasasu arinda napfa. Mwabibonye ibyo? Murabyibuka les instruments de la justice internationale, ntibagira uwo bakanga, ntiba Kagame agatsiko ka Kagame niba karabyizeye nako igihe kirekire, cyakora bari abo ndabazi bazi ingufu aho ziri, bazi ko ari ukubagura, bazi ko ari gutanga amafaranga, ariko nabyo bigira iherezo. Ubu ngubu ndabona ko bigeze bisa n'ibigeze ku iherezo, ariko tugomba kubimenya nyine, tukamenya gukoresha izo nzego, ntitwazisuzugura. Murakoze. Reka mbabaze ikindi kibazo cyavuye muri public voyage fils William. Ni iki leta imaze kugeza ku banyarwanda cyane cyane abaheze hanze? Donc guverinoma yanyu mwita guverinoma y'abanyarwanda ikorera mu buhungiro, ni iki imaze kugeza ku banyarwanda mwavuga muti ibi turabyishimiye ko twabigezezeho, byaba ari abanyarwanda bari mu Rwanda, byaba ari abanyarwanda bari hanze? Icyo kibazo najya kwifuza kukumva abandi bagisubiza, nk'abari kukibaza bakambwira ati twe ntacyo twabonye, cyangwa se hari icyo twabonye, nabyo byari kunshimisha. Twebwe hari ibyo twapanze twumva twageza ku banyarwanda, ariko hari n'igihe objectif mutazigeraho nk'uko mwebwe mubyibwira. Najya kwifuza rwose ko hagira nk'undi ugisubiza ati twabonye ibi, ariko icyo nabona njyewe nabona gikomeye, mu mwaka w'2005 nibwo nageze mu Bufaransa njyewe mu kwa 12. Mu myaka yakurikiyeho 2006 2007 hagiye haba nk'imyigaragambyo, nkareba uko ibintu byari bimeze. Abantu twajyaga mu myigaragambyo, ngiye sinajyagamo cyane, nategereje 2009 kugira ngo ntangire kujyayo, tukajya tujya mu myigaragambyo twipfutse mu maso ngo Kigali batatubona. Narebaga ibintu twajyaga twandika ku mbuga nk'izari mu Bubiligi iwacu n'ahandi, twese dufite amabusedonime ya hatari, nta muntu ugaragara, nta muntu ushaka kugaragara. Mu 2010 urangira 2011 twatangije ikinyamakuru cyitwa Le Prophète, njyewe n'umugabo witwa Padiri Fortunatus twakwandika tugasinya n'amazina yacu. Abantu baratangaye cyane icyo gihe, baratangara, tugashyiraho na nimero za telefoni. Hari umuntu ugeze kumpamagara mu Rwanda arambwira ngo ngo nitabye, ndagaca ngo ziko za nimero arizo, biramutangaza cyane ko ampamagara nkita nashyizeho n'izina. Ntabwo ari twebwe twenyine, evolution yarakomeje, abantu bakita amazina, bukeye bamwe baratangira baragaragara. Ubu ngubu tugize amahirwe n'iyi tekinoloji yaje nk'ibi bya YouTube, iyo nayibabwira neza kuko imaze imyaka ibiri gusa njyewe nzi kuyikoresha. Mbere sinanzi kuyikoresha, natangiye kuyikoresha ku munsi Kizito yapfuye. Abantu twajyaga nyuma twaje gutera imbere, twajya duhamagara abantu mu Rwanda akavuga ati uhindura amajwi batanyumva, uhindura amajwi, yewe n'abatari mu Rwanda n'abari hanze ati uhindura amajwi, ati ndavugira kuri telefone sinshaka kubambona. Bukeye abantu baratangira, bukeye bajya kubona ukuntu bicaranye nawe gutya, isi yose bareba. Ndabona iyi evolution sinavuga ko ari guverinoma gusa yizanye, ariko ibiganiro twatanze byo gutinyura abanyarwanda byo no kujijurana, reka twese turiga buri munsi. Jean Paul yatanze ikiganiro aricyo kinyigisha, Mwemayire yari mu kiganiro hari ikintu anyigisha. Ndatekereza ko ibingibi byo kwisuganya, byo kwitwa guverinoma, byo gutinyuka kubwira Kigali ku mugaragaro, byo gutinyuka, erega umunyapolitiki icyo asabwa ni iki? Indangagaciro ituma mba umunyapolitiki undi ntabewe ni iyihe? Ni imwe gusa, kugira ngo bagire umuntu i Roma, bagire umuntu mutagatifu muri Kiliziya Gatolika ngo babaze ibikorwa by'urukundo yakoze. Muri politiki bagusaba courage, ubutwari bwo gutinyuka. Gutinyuka kubera iki? Kubera iterabwoba riduhanganye ryahariye. Abantu bose bitinye bakigendera mu myobo. Kera hari umugabo witwa Simeon wa kode ufite radio yitwa Ijwi rya Rwanda, ashyiraho vocabulaire nshyashya ngo abantu bakora bufuku. Gukora bufuku ni ugukora ariko uri mu mwobo nyine nk'ifuku. Twabibayemo igihe kirekire ibyo gukora bufuku. Ariko abantu ntibashobora guhangana n'ubutegetsi nka buriya bose bakora bufuku. Si na ngombwa ko bose baza kuri kamera nk'uku nguku, ariko agomba kugira abatinyura abandi. Icyo mbona twazanye rero ngize muri makeya no gutangira guforma leadership ya nouvelle generation, abantu batinyuka kwishora bakabijyamo atari uko ari ibyihebe cyangwa abanze ubuzima, ariko bagatangira. Nta bantu bajya baharanira uburenganzira bwabo badafite abantu babarangaje imbere muri politiki, ntibibaho. Ushobora gutekera abantu ukabagaburira mu rugo, ariko inyungu rusange za politiki nta hantu namwe bigeze babigeramo badafite umuntu bari imbere, badafite ikipe bari imbere, badafite abantu bitanga ngo babajye imbere. Niyo proposition turi gutanga, abanyarwanda bashatse bayifata bakanamenya nako gaciro, bakanadushyigikira igihe tugifite imbaraga zo kubikora. Bitabaye ibyo, barusesa bagenejeho ndabaharanaga. Icyo uko byamugendekeye mwarabibonye.
Sankara yagize igihe gitoya cyo kubikora uko byagenze mwarabibonye. Idamange yagize iminsi 15 gusa yo kubikora uko byagenze mwarabibonye. Victoire yaramanutse ajya mu gihugu imyaka yamaze muri gereza mwarayibonye. Kizito yagerageje kuvugira abantu nubwo atari muri politique active uko byamugendekeye mwarabibonye. Ni ukuvuga ngo iyo abarideri barangije kwigaragaza bakiyemeza kureka ibyabo bari barimo bagatangira hari ikintu kijya kimbaza ngo ninda zabo ngo zabatanze imbere bamwe bari kwitanga bari kwica akazi kabo bari kwishora mu mage ngo ninda zabo zabatanze imbere abantu baramutse bari mu gihugu nibura bahembwa ushatse bavuga uti mufite nda n'umushahara muri gushaka aba bari kwitanga ku buntu nagira ngo ngira abanyarwanda ngo bashatse babashyigikira mu gihe bakibafite kuko niyo bananirwa bananirwa wenda bafite aho babagejeje hari abandi bavutse reka nsozereze ku kintu kimwe twagira mu ngo aza mu Rwanda mu 2023 aje kwiyamamaza nari ndi mu Rwanda icyo gihe nari n'umusemina nari mu padiri 2023 noneho avuga ibintu avuga ati ari kugana n'abanyamakuru yakoze critique bwa mbere ku butaka bw'u Rwanda niwe munyapolitiki wa mbere wabikoze avuga ngo FPR yica ibintu twese turemeza uyu musaza ntaramuka ndabarahiye inkotanyi icyo gihe twatuzi ko zigifite amatwi atendera n'imirizo ntago aramuka tu buke tubona umusaza yaramuka icyumweru kirashira kandi akivuga mu mutwe wanjye byahise biyandika ati uziko wa resista ku nkotanyi ntupfe niba mumbona hano ni ukubera ikintu umusaza yanyinjije mu mutwe icyo gihe ko bishoboka umurideri arera abandi barideri abyara abandi barideri wenda tuzajya kunanirwa haravutse abandi niba iyo kandi abanyarwanda batayishaka ibyo birabareba twe tuzaba twarakoze umurimo wabo urakoze en tout cas nyakubahwa bwana Thomas Nahimana mwakoze cyane muzi gusubiza rwose kandi nibaza ko ikiba gikenewe cyane ku bapolitisiye cyangwa ku bantu bajya muri politike ari ukumenya gusubiza ibibazo abaturage baba bafite no kudahunga ibibazo rero mwakoze cyane kwemera ubutumire no kuza kuganira yena navuze ko ibi biri bube ari ishuri platform yanjye ni ishuri nita mwarimu ngiye mba ndi kwiyamamariza kuba mwarimu hanyuma icyo nyine nigisha abanyarwanda ni freedom of speech na freedom of thinking no kubasha kuganira nyine mu mahoro hanyuma abantu ibitekerezo akaba ari byo bishyirwa imbere rero ndabashimiye ko mwemeye kuza muri iki kiganiro hanyuma rero mu kurangira mbahe ikindi kibazo cya public umuntu yatwandikiye avuga ati mu Rwanda hari ikibazo cy'amoko kitarangira abantu bahora bitwaza ngo bagere ku butegetsi mwebwe mubibona mute kugira ngo abanyarwanda bazabashe kubana neza ese ikibazo cy'amoko mwagikemura mute mubifitiye ubushobozi mwagikemura mute urakoze cyane buriya iyo tuvuze ngo ni ikibazo cy'amoko hari ikosa riba ririmo ritoya ko tugira ngo amoko niyo kibazo mu by'ukuri amoko ntabwo ari ikibazo na gusa abanyarwanda bishimiye kuba abahutu bishimiye kuba abatutsi arakaririmbo nabonye kejo ubundi babyina ngo abatutsi ni beza abantu bamwe mbona bazamuye amazuru bati reka 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 ibi ntabwo ari njyewe iriya ndirimbo nta kosa nayibonyemo abatutsi ni beza ngo nanjye ndabyemera impamvu ntabibonyemo ikosa ni ibihe nategereje ko bavuga ko abahutu ari babi ndabibura ntekereza ko ari uwo bari butuke ndabibura abatutsi n'abatutsi kazi akazi ki baragacinya bagakubita ahari ikibazo si aho ngaho abahutu se bo babyinnye ibyabo nabo bakavuga ko ari beza ikibazo kiri hehe ikibazo ariko ntaho kiri ko bamwe bemerewe kubibyina abandi ntibabyemererwe ariko icyo si ikibazo cy'ubwoko ni ikibazo cya politiki yaba n'abahutu bari bemerewe kubyina ibyabo bakavuga ati twebwe turi beza cyane rwose natwe ntibatukabandi ariko n'abatwa bagakubita twe bagufi nitwe beza kurusha u Rwanda rwa paradiso ikibazo ni ikihe ikibazo si ubwoko bwacu turashyingirana twarabanye twakomeje kubana twariganye twagize dute icyo gihe ntitwaryanaga ikibazo kivuka haje mu nyungu za politiki ko hari ibyo bamwe bagiye kurya ngo bacure abandi bakabyitwaza ntabwo ikibazo kivukira ni ukuvuga ko ikibazo atari ubwoko ikibazo ni ukwifashisha ubwoko ahandi bifashisha amadini ahandi bakifashisha ibindi ahandi bakifashisha akarere kugira ngo bikubire ibyiza by'igihugu niho twavugiraga ko reforme ya mbere igomba gukorwa ari reforme ya politiki des institutions yemerera abanyarwanda bose kugira amahirwe angana mu gihugu kandi birashoboka iyo ni volonté politique ariko bigomba kugaragarira no mu barideri iyo turi kumwe na ba Jean Paul turicara tukabiganira
Iyo hajemo imyanya yo mu rwego rwa politiki kandi nta mategeko ariho agaragara nta bushake buriho bwo kwerekana inzira zisobanutse zigera ku butegetsi kandi zifavoriza abantu bose ku buryo bungana aho ngaho havuka ikibazo hari ikibazo twigeze gusuzuma cyitwa demokarasi y'impanga tuvuga ati na demokarasi iwacu irimo ikibazo tugomba kuzumvikana byanyuze bikunze tukabiganiraho kuri generasiyo imwe cyangwa ebyiri tukareba ukuntu abahutu n'abatutsi bakumvikana muri politiki bakajya bagira amatike amwe bakoresha mu kwinjira muri responsabilité ku buryo abanyarwanda bashobora kubabona bari gukorana imyaka 5 imyaka 10 nitubikora imyaka 10 ibyo ngibyo umuhutu mututsi mututsi mu nzego zifata ibyemezo nyuma y'imyaka 10 abanyarwanda bazaba barashatse ibindi bapfa ibyo ubwoko bwa hututsi n'ibizabikiriho kuko bazabona ko bidiko bidafite ishingiro ibyo rero ntago ari umuvumo watwokamye n'abantu babishaka bakabipanga batyo kugira ngo babikore gutyo bikubi wareba ingabo za Kagame ugasanga ziravanguye pe wareba isazibanjirije nazo ugasanga ruko byari bimeze ariko n'abantu babyemeje batyo bashatse kubikora gutyo twe rero dufite ubushake bwo gukemura icyo kibazo kandi kubera ko tuzi ko ari ikibazo twagifatira imyanzuro irimo n'amategeko yo kugikura mu nzira bazaduha imyaka 5 cyangwa baduha 10 bareko tutazaba twaragitangiye ni ikibazo cyakemuka abantu bagatera imbere icyakora gukoresha amoko byababaje abanyarwanda byakomerekeje abanyarwanda ni ikibazo abantu batagomba gusuzugura ngo bagire ngo si ikibazo hagomba umuti byanze bikunze ariko uwo muti uzatangwa n'abahutu n'abatutsi bafite ubushake babitekereje kandi bagahabwa amanda yo kubikora ubwo twese twabivuga gusa na Jean Paul tukabiririmba na Bafurora na Bamwemayire na Bamarina na bandi na Bakorodina na Bayingabire tukabiririmba gusa bataduhaye manda yo kubikora ngo baduhe ubushobozi bwo kubishyira mu bikorwa ikibazo kizakomeza kigumeho ngitinzeho ariko nkuko wawundi yakibaje cyaratuzonze ariko nyamara ni ikibazo cyoroshye gukemura n'ukuri ko imana abanyarwanda kubana kwabo ni ibintu byoroshye hapfa kuba hari volonté politique itabateranya hatariho abanyapolitiki babateranya ngo babyitwaze bubakire kuri icyo kugira ngo babateranye babwiye ngo mwebwe turabakunda reka tubahe byose bariya ntabwo ari abanyarwanda cya kibazo cya nation nyine cyo kubaka igihugu kirimo n'amahanga menshi ukabona bamwe bafite basa n'abafite igihugu cyabo abandi cyabo ndetse birwana bakanicana cyo kibazo cyo kubaka urwanda nation nicyo kibazo cy'ingenzi kiri mu Rwanda kandi abalideri bakitondera abanyarwanda babashyigikira turifuza kuba muri abo twarabitangiye turifuza kuba muri abo ko abanyarwanda baduha manda kira kibazo tukakibakemurira wenda bazadupimire kuri icyo gusa niba duhi manda imwe bakaduha ebyiri zikarangira icyo kibazo ntawe twagikoze bazatwirukane nabi cyane cyangwa badufunge urakoze ariko se mwagikemura mute ntago mutubwiye neza uko mwagikemura uko twagikemura ni ibintu byoroshye cyane byoroshye mvuga ni mu rwego rwa volonté politique niba nicaranye na Jean Paul mu biro turi kuvuga ati kira kibazo turagikemura gutama amategeko araza kujyaho gute kugira ngo arwane na kira kibazo kizakemurwa muri education mbere na mbere mu bana rwose bo mu mashuri hanyuma no mu mategeko ari inzego z'ubuyobozi ari inzego zitanga akazi ku buryo abantu bumva erega ntago turi abana njye ndeba abanyarwanda yo bageze hano bageze mu Burayi abona polisi akiruka n'ukuri kw'Imana abona abapolisi akiruka ese uri kwiruka ndewabonye abapolisi kubera ko amenyereye ko abapolisi bacu ubarebera mu ishusho y'ubwoko baba batari mu bwoko bwawe bakaba bakugirira nabi cyangwa baranakugirira nabi kandi byabayeho sibyo ibyo se no kubihimba urabareba kubera ko abantu bigeze kukuvangura ko wagiye ku kazi bakakureba amazuru yawe maremare cyangwa amagufi bakakuvangura ukumva nyine urihebye kandi ibyo byabayeho nimubona abategetsi naho ngaho muzagikemurira honyine nimubona abayobozi mukabona perezida wa repubulika mukabona guverinoma ishaka gukemura icyo kibazo koko atari ibintu by'amagambo gusa ngo ubumwe n'ubwiyunge kandi ari ivangura ryuzuye bakabigerageza gato gusa abanyarwanda kubavamo ni nk'aka kanya bakabishyira mu mategeko bagakora amategeko agaragara ashyira imbere merite umwana azamuke mu ntera kubera ko yatsinze usigaye kandi nawe afashwe bakabikora imyaka 5 gusa batari kuryana bo hejuru iyo ngiyo bapfa moko bashaka gukura nawo kubera moko bakabigerageza niwe igisubizo kiri ntahandi ntahandi muzakibona ntimuzagisanga mu muhanda gitembera ntahandi kizaturuka mu bayobozi b'igihugu kuko niho gituruka ntahandi gituruka muri bwa buryo bwo gucunga umutungo rusange se abantu bapfa iki
indi kagucura irataka ntiwumve no gucunga umutungo rusange na les avantages z'igihugu na les droits z'abantu ubicunze ku buryo buri wese yumva atavuga ati nge ndaza kurengana kwa kandi umuntu ndaza kurengana ko numututsi cyangwa se nibyacu bariya bariya ntibibareba umuntu witwa Sekidende mu gitwigeze kugirana ikiganiro avuga ukuntu bamwemye buruse muri université bayiho umututsi witwa Ngarambe utuyobora hano Paris muri ambassade avuga ati ngewe akunda gusetsa Sekidende rero ati ngewe abamubura abana muri Canada ati ngewe bibeshye ati se bibeshye kuti none buruse yange burabayihaye uriya mututsi ati kubera iki ngo se ntubyumva ntabwo yagomba kwibona n'iryo agomba kuba mu gihugu umuntu abyumva gutyo ntagara urwenya byabayeho biriho ariko ababikemura n'abategetsi cyakora icyo gihe ngo Sekidende yagiye muri ministeri abivuze ko buruse ye bayimwibye baramwirukana ati sokano kandi yirukanwa n'abitwaga n'uwitwaga umuhutu wagombye kuba yaramushyigikiye aramwirukana abayobozi bagombye kumera gutyo ibyo rero nibyo ngira ngo niyo kado dushobora guha abanyarwanda muri iki gihe nabo turi kumwe twifuza ko n'abandi badushyigikiramo ntugire ngo biroroshye bisaba imyitozo bisaba kuganira bisaba kumvikana bisaba kunegosiya sibyo mukabiganira wabogama gato yo ndakakubwira ati rahira mukaba muri capable gukora izo negotiations ntabwo ari ibintu byakwizana ngo byitura bisaba abantu bafite ubushake reka nanze kuvuga ubwenge bafite ubushake bwo gukemura icyo kibazo bakaba ari abahutu bakaba ari abatutsi bakaba ari abahutu kazi ari abatutsi kazi bakicara hamwe tega dukemura iki kibazo cyaraduhemukiye abo ni mubabona muba lideri honyine muba lideri mu bayobozi b'igihugu ikibazo kizaba cyagiye bisaba byarangiye mwakoze cyane ntago twarangiza tutavuze ku kibazo cyatwaye bene wacu batabarika ikibazo cya genocide contre abatutsi bo mu Rwanda yo muri 1994 nyuma y'iyo genocide habayeho ikintu cyo kuvuga ngo abahutu barishwe nako abahutu barishe abatutsi barishwe ugasanga hari icyo kintu cy'icyaha cyagiye nko ku bahutu bose kubera genocide yakorewe abatutsi noneho tugeze noneho mu gihe abantu bavuga genocide contre abitwa abahutu noneho rero hakaba hari izo mpungenge z'uko abanyarwanda bazavuga ngo genocide yakorewe abahutu bakabyitiranya bakavuga ngo n'abatutsi bakoze genocide yakorewe abahutu ibyo bintu mwebwe mubibona mute kandi hari abandi banyepolitike bari hanze nk'uko namwe mukorera hanze hari abandi banyepolitike twumvishe bavuga bati icyo kibazo twebwe ntabwo dushaka kugira icyo tugikoraho mureke tubanze dufate ubutegetsi nibwo tuzajya kuvuga ngo mu bya genocide yakorewe abahutu none mwebwe mubyumva mute ese mubona genocide yakorewe abatutsi mubona abantu barahanwe bihagije cyangwa se ni nayahe makosa yabayemo mu kudiringa na genocide yakorewe abatutsi kugira ngo ayo makosa atazazamo muri izo crime zindi bavuze ko inkotanyi zakoze ese mwebwe icyo ni ikibazo muri ready yo kugira prioritaire cyangwa namwe muvuga ko ari ikibazo muzakemura ari uko mubonye ubutegetsi umva icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane kubera iki gikomeye iterme yitwa genocide yo ni babyita qualification juridique ni izina bahaye ubwicanyi mu by'ukuri bwakorewe abanyarwanda noneho itegeko cyangwa se mu buryo bw'amategeko gusa nibwo buyita genocide dushatse wanabyita ukundi ariko mu rwego rw'amategeko niyo qualification yatanzwe kandi yatanzwe nande itangwa na ya instrument twavuze l'ONU iyita genocide rwande abantu ntibigeze bamenya icyo bishaka kuvuga ibyo bintu genocide rwande si nge wabizanye ni l'ONU yabivuze gutyo genocide rwande bishaka kuvuga iki igitabo Noel Ndanyuzwe yanditse mu minsi ishize kivuga ngo ragera niba ari la première guerre internationale africaine mondiale africaine we agerageza kwerekana tereg iyo genocide rwanda nibyo hari abantu baremye umugambi wo kurimbura abanyarwanda ga acyakora bakabamanura muri uganda akavuga ati babandi ati bacaranye na Museveni bavuga ukuntu bazarimbura abanyarwanda
barabitangira babyitse uko intambara igendiza hiyongeramo abandi hiyongeramo abahutu bamwe barabakoresha batito bati natwe twatwaroherejemo abantu ngo batoza akabyivugira ku mugaragaro no kuri ntacyo ikanga kohereje abantu ngo bajye gukorana n'izo nderahamwe bajyamo kandi kuko niko byari bimeze rega n'abacu twarababonaga nuko genocide buriya bwicanyi bwakorewe abanyarwanda abanyarwanda ni kimwe mu bintu bazagomba kumvikana kubera iki tribunali yarusha ijyaho tribunali mpuzamahanga yateganyaga ko abantu babigizemo uruhare ku mpande zombi bazacirwa impanza ibyo si byabigenye nuko bari bazi icyo bakora ya instrument twavugaga yari ibizi neza yari ifite amakuru iteganya ko impande zombi zizajya nuko baratagira abacimanza ariko babura planificateur iyi genocide sitagira planificateur ni yahe byagenze gute sibyo ariko bibagirwa ko nako ntibabibagiye byose barabizi bazi ko hari uruhande batakiri wenda ntibabonye mu bafashwe abo baplanificateur ariko hari abantu babipanze ibyo bintu cyakora hari urundi ruhande rutakiri urubanza none abo baplanificateur baba ariho bari reka ngaruke ku byo twavugaga ibi by'ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda Kizito Mihigo niwe wabiririmbye neza uko mwabyita rwose n'ubwicanyi buteye ubwoba n'ubwicanyi bute uko abatutsi barimbutse tubareba abari bafite amahirwe bakaba bari mu ruhande rutari mu ndambara twarabibonye abari bari ku ruhande rwa Occupy FPR Jean-Marie Ndagijimana wari ambasaderi wabaye ministre muri guverinoma y'inkotanyi arabivuga neza byanditse mu gatabo ati bakagamira izo sacrifier les tutsi u Rwanda rwari rucemo 2094 ibyari biri gukorwaho FPR yari iri nibiki ibi rero by'amazina ibi by'amazina ngo turi gupfa amazina ni ukuri kose harimo ikibazo gikomeye nuko tutaremera ibyatubayeho icyakora ntabwo ababikoze bahanwe bihagije kubera ko hari n'abakidegembya ku mpande zombi ariko by'umwihariko ku ruhande rwa FPR nta wigeze abihanirwa habe n'umwe kandi abo barimbuye nta nubwo bisha mu Rwanda gusa bo baranambutse bajya no muri Congo ku mugaragaro rwose izuba n'ubundi barimbura abanyarwanda barimbura n'abanyekongo ku mugaragaro nta n'umwe urabibazwa se murabona mwebwe ari normal ibi bintu ni naho twavugiraga tuti bari abantu bashatse bashyira ubwenge ku gihe bagatangira kuganira bakiteganyiriza kubera ko niba banishuka ngo bari gusaza nta uzabibabaza barabyaye kubera ko babyaye abandi bana bashobora kuzabibangira bakavuga ati mwebwe mwaratumaze mwebwe mwatwiciye abantu ibyo bakoze za Ruhengeri ibyo bakoze ndavuga inkotanyi zarafashe ubutegetsi ibyo byabakoze za Ruhengeri ibyo bakoze za Gisenyi ibyo bakoze za Kibeho ibyo bakoze muri Congo ibyo byose se si ibintu byivugira Interahamwe byo zakoze zo zarabihaniwe nubwo wenda harimo nabandi batana bihaniwe harimo nababirenganiyemo nyine birumvikana babigendamo akaga kagwe ku gihugu nikabura bakagendamo iki rero ni ikibazo gikomeye niba tutarabona ibisubizo ikiruta twajya tureka abantu wenda bakavuga ibyababayeho nibura nayo n'intambwe bakavuga n'ibyababayeho nibura bakabivuga icyo mpa gusa no kandi babivuga bashaka kugira icyo bubaka aho niho batugora nta kuntu twabivuga dushaka kugira icyo twubaka nta kuntu twabivuga tudashaka kurimbura tukabivuga tuvuga ati iki ni ikibazo nangize imfubyi barampemukiye byitwe bibe byitwa genocide muri iki gihe yakorewe abatutsi bibe bitaritwa genocide yakorewe abahutu ubundi se nindu bibita nyine ariko ubwicanyi ko tububona ko bwabaye ubu bwicanyi hahantu rusyo n'urusyo rushyushye abakurambere bacu batugeretse ku mutwe tuzarwana nabyo ibingibi ariko nanone abantu biyemeje kuganira bafite icyo bashaka kubaka nabyo babibonera ibisubizo ndetse ko abapfuye tutazabazura muragira ngo tubigenze gute politiki irwanira kugira ngo abakiriho babeho wenda ari ibimuga ariko bakomeze babeho ni nawo umugambi twafata abakiriho bakomeze babeho niyo baba hari ibimuga ari ibisenzegeri ariko nibura bakomeze babeho ndabona ariyo politiki dushaka gukora nitubyumvikanaho tukabiganiraho tuzabona ibisubizo murakoze cyane yakubaha Padiri Thomas Nahimana mwakoze cyane ndangirize ku kibazo cya nyuma kibazo twasekamoho gatoya noneho mbibarize ikibazo kiri personnel ho gatoya mbabaze nti ubundi mu kinyarwanda ntago twemera umugabo umuyobozi w'umugabo udafite umugore udafite urugo mwebwe nk'umuntu w'umugabo ushaka kuba umuyobozi tubashakira umunyarwanda kazi byifashe gute kuko ni handi ubupadiri mwabuvuye eske mwatubwira uko byifashe mubona abanyarwanda bazigera bizera umugabo
kuko ubundi cyane cyane ku bagabo umugabo abagomba kwerekana ko ashobora kubaka urugo akaba umutware w'urugo kubera ko n'igihugu kiba gikeneye umutware noneho uko atwara neza haba urugo rwe haba muri societe bikaba ari nk'ikintu cyerekana uko yatwara n'igihugu uko afata umugore neza ari nako ashobora kuzafata igihugu neza noneho mwebwe kuri iyo nivo byifashe gute iyo gahunda murayifite murashaka ko tubibafashamo tuzakore bachelor show mutubwire uko byifashe hanyuma niba munashaka ari umunyarwandakazi mutubwire umunyarwandakazi mushaka uko yaba ameze ko yaba ameze kubera ko sinzi niba mushaka kuba perezida sinzi ko abanyarwanda bazihanganira kubaho batagira first lady mbega ntago sinzi ko twabyemera mutubwireho gatoya kuri iyo ngingo murakoze cyane madame Louise muri 2000 hafi aho ngaho bigeze kuvugurura hari za commune noneho muri paruwasi nari ndimo hari umusore nari nshyigikiye cyane aratorwa ba burugumesitiri ku munsi yatowe ntabangara ibirimo ni uwa gatare rwose icyo gihe yitwaga commune ya gatare baratari batarabihindura baje kubihindura nyuma hari noneho uwo munsi yatowe yari yatowe atabyiziraga cyane kubera ko yari muri shomaje ari kunza bakaza ahubwo kuba umwarimu muri secondaire kuri paruwasi navuga ati wowe uzi ubwenge wowe urangije amashuri yawe ufite nivo genda wiyamamaza araseka aratembagara cyakora abantu baramushyigikiye yari umwana mwiza baramutora umunsi bamutora ahita aza kuri paruwasi ati ubwo dore ndatowe mbaye umuyobozi ati ubuse umugore ndamukura ndabameya nta mugore ngira ubwo gato turatangiye turicaye aho tujya kurambagiza nk'ibi uri kumbwira byaje kumuhira nuko arashyingirwa vuba vuba rwose ngo abaturage ngo ntibakwemera ngo umuyobozi ngo utagira ngo umutegarugori ubwo rero ikibazo nanjye kingezeho ngo nyine hari uzandangira sinamenya igihe nikigera ubupadiri sindasezera burundu ariko nahisemo narangije guhitamo umutima wanjye ndashaka kwitangira ibingibi by'igihugu ibyo gushyingirwa harababwiye bati igihe mukiri ku rugamba waba ubyihoreye ubu wazana umugore waguterera ku munigo hanyuma n'ibyo urugamba ukabyibagirwa si niba abagore baterera abantu ku munigo sindabimenya ariko icyo kibazo umunsi umwe kizibazwa cyakora hari umunyamakuru ugeze gukimbaza ndi mu Bubiligi ndamubwira ati cyakora ndamutse mpisemo nahita nk'umugore w'umusirikare hazise umusirikare n'umeze gute mbonye umukobwa w'umusirikare nyine ubuse urabona ibinirirwamo urabona ibiganiro mbamo urabona ukunirwa nzerera hari umwana w'umukobwa waza akicara hano akabyemera akajya ndeka nkagerekeje tukajya tujyana n'umumbonera uwo nguwo uzanyicira ijisho tuzabiganiraho neza urakoze ni nk'aba muri kuvuga se abangaba ni abatari bo oya ndashaka ndifuza uwumva uru rugamba turimo rwo kubohoza abanyarwanda akumva icyo bisobanura akaba nawe yabyitangira muri ubwo buryo cyangwa satana abyitangira akabaza icyo bisobanura bikamufata ku mutima uwo nguwo yaba ari umugore w'igihugu nyine nuko nta kundi njya ninja Jean Paul nkamubaza uko bimeze hirya hariya sinirwa mbabwira icyo muzamwibarize nawe naza uko bimeze mbona bombi bafatanye nkabona bigenda neza ntavuga ndi wenda wa mugani banza bishoboka nta wamenya ubwo tuzabireba ariko ikihutirwa ubu ngubu nyine n'uru rugamba cyakora ibyo uko bivuga byo hari umusenyeri wo mu gihugu na hariya nabonye yabaye perezida bamutoye akiri umusenyeri wa kiliziya gatolika cyakora bavuga bati umva rero dukeneye first lady nuko anoma mushiki we umwaka igihe ataragira icyo yibwira mushiki w'abakora uwo murimo nyine baramunoma kunoma first lady nawe unyumvire kunoma first lady nuko niba tuzajya muri nominasiyo simbizi ariko turacyafite igihe da ariko se ko tunashaje wowe Louise urabona ibyo bintu bizashoboka simbizi ubwo tuzabireba nundangira tuzabiganiraho atuka murakoze cyane turabashimiye ko mwafashe igihe mukaza mukadufasha rwose abantu nyine bari kuvuga ko ubu hagiye kubaho yenda gahunda yo kubarangira Jean Paul yashatse neza cyane rwose afite umutima w'urugo impamvu twensista ku bagore nuko abagore bafite role muri societe yacu kandi ikomeye cyane kandi bikenewe
nkuko umugabo abyarwa n'umugore umwana bakeneye nyina umubyara unanamufasha unanamurera ni nkuko no mu buyobozi umugabo aba akeneye umugore nawe uzamubera nka nyina kuko kera umwami yategekanaga n'umugabekazi ni muri rwa rwego rwo kuvuga ngo nta ukunda umwana kurusha uko nyina yamukunda biba bishatse kuvuga ko ufite umuntu ugukunda ukugira inama biragufasha kurushaho mbega ni muri urwo rwego twaba tubyifuriza cyane cyane umuntu w'umuyobozi mwakoze cyane rero nagira ngo mbabaze niba hari nk'ikintu cya nyuma mwumva mutavuze ariko mushaka kuvugaho kandi kiri important mwumva mutavuze cyangwa mutagize opportunity yo kuvugaho mwakwifuza kuvugaho mbere yuko tubareka mukikomereza gahunda zanyu urakoze cyane madame Louisa icya mbere no kugushimira no gushimira iyi plateforme yawe uko ikomeza guha abanyarwanda ijambo wigeze kuntumira kera ntitwabigeraho icyo gihe ariko dore ntiwabyibagiwe n'uburongero urantumiye turaganira ndabyibuka rwose cyane tugitangira wigeze kumva ati wazaje tukaganira niba naragize ubwoba icyo gihe sinzi niba uko ukuntu byagenze rwose bituma tutabikora ariko ubu ngubu dore tubigezeho kandi si njyewe ngiye ukomeza no guha abandi ijambo wakomeje no kuvugira abandi uri umurideri ukomeye poste zawe twese turazikurikira turareba twa fraze dusekeje ujya wandika ariko uri kubaza ibibazo bikomeye no kuri Facebook n'ahandi ukomere uri umurwanashyaka ukomeye ni ukuvuga ngo buri wese arwana ku ruhembe ahagazeho kandi rwubaka mbona urwana ku ruhande rwubaka cyane ikindi nabwira abanyarwanda ni uko rubanda ifite ububasha butangaje bwo guhindura igihugu kikaba cyiza ntabwo inshingano yacu ari uguhora turira ngo dufite abategetsi babi mwibuke ko madamu Louise yatangiye iki kiganiro avuga igihugu abaturage bagira abategetsi babakwiye niba ari ibirura mukabireka ni uko mwiyemeje kwitwara butama nimwitwara butama imbere y'ibirura bizabarya nta n'ukundi bizagenza rusi ikirura cyakora iki kindi ariko abategetsi iyo mubakariye mukabagandukira ariko ntimunabemerere ko babanyara hejuru ntimunabemerere ko uburenganzira bwanyu buvogerwa ni ukuri kose ibintu birahinduka ndasozereza kuri bari abana bigaragambije ndabita abana kandi harimo n'abasaza mu Rwanda bari baratubwiye ngo hagize uhaguruka ngo amasasu yavuga ngo amasasu yabarya ntabwo ariko bimeze abaturage bahagurutse mu kinyabupfura berekana ikibababaje uwabarasa we yaba yagiye byanze bikunze we yaba yagiye ngashishikariza n'abandi n'izindi nzego zifite ibibazo mujye mu muhanda muvuge mubikore mu kinyabupfura mubikore muvuga muti ibi turabirambiwe abarimu bagiyeyo abamotari abataximeni bagiyeyo babandi bafite ibirayi bibaboreraho bagiyeyo abahinze umuceri bagiyeyo abarengana bose mugiyeyo mubivuge mu kinyabupfura mutangire mu kinyabupfura mudatera n'amaguye maze murebe ngo ibintu birahinduka abategetsi muzabatoza kudakomeza kuba ibirura kandi bizahinduka ububasha rero tubwifitemo icyanyuma ni uko umuntu wese wishoye muri politiki avugira rubanda nyabune mu rugero byabaturuka mujye mumushyigikira mumushyigikire murebe nta utakanyaza atakarungurutse nkaba nsozereza ari kuri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro abantu dukorana mbafitiye icyizere kandi si icyizere kiraza amasinde narabarebye ndabitegereza abo ba Jean Paul abo ba Flora abo ba Mwemayire abo ba Marine abo ba Joseph nubwo Joseph arwaye muri iki gihe abo ba Claudine abo ba Ingabire abo ba Gorete narabitegereje nsanga bafite ubushake ba Safa nsanga bafite ubushake mushyigikire iriya guverinoma ntabwo iri mu bwikanyize ngo ni twebwe twenyine irabizi ko ituzuye irabizi ko ikeneye abandi irabizi ko wenda ishobora kujya imbere akanya gato kugira ngo izamure abandi twese dufatanye iniri purubatire ntabwo dushobora kubaka rura Rwanda tudafatanyije ariko rero aba bavandimwe rwose bagiye imbere mutega amatwi icyo bababwira aho bakosa mu bakosore aho mubona bitanoze mubagira inama rwose cyane cyane nabacyahe barabyemera ariko mubashyigikire nta kundi kari agatsiko kaba ari bibereye ku butegetsi kabireka ntabwo ari uhekwa mu ngobyi uzafata gahunda yo kumanuka ngo agende n'amaguru ni abamuhetse bafata gahunda bati murambi cyasi uwahekwaga yigenze ubu rero ni igihe cyacu tukabikora mu rugero byaduturukaho mu kinyabupfura ariko dufite icyo turi kubaka tugerageza kubaka u Rwanda nka nation kugira ngo u Rwanda tuzarubanemo nta yindi mivu y'amaraso dupfa ubwoko dupfa uturere yongeye kubaho kandi biri mu bushobozi bwacu murakoze mwese rero Imana ibahe umugisha ihereye kuri madamu Louise wadutumiye akaduha n'iyi platform akaduha imikoro
n'abandi bakurikira iki kiganiro n'abazagikurikira nyuma tubasaba umugisha rwose n'amahoro murakoze mukomeze mugire n'umwaka mwiza Murakoze, murakoze nyakubahwa Thomas Nahimana, turabifuriza gukomeza neza, gukomeza mu mahoro, gukomeza mu rumuri, gukomeza mu kuri no kugira amahirwe muri gahunda murimo. Turifuriza u Rwanda amahoro no kuba igihugu cyubatse ku mategeko cyubatse ku kuri. Mwakoze, mwakoze, mwakoze cyane. Mugire ibihe byiza kandi ubwo n'ubutaha nizere ko ari intangiriro nyine y'ibiganiro. Hanyuma nabwira abantu ko bashobora kubabona kuri platform yanyu ariyo yitwa Isi n'Ijoro TV. Nuko murakoze cyane, murakoze cyane, muraharyana, mugire ijoro ryiza. All right, my people, my people, mwakoze cyane, mwakoze cyane rwose. Ebana, mwakoze iki kiganiro, mwaragisabye inshuro nyinshi, mwaragisabye inshuro nyinshi, none cyabaye finally. Nizere ko ubwo ibibazo tutabashije kubona kuko twari dufite ibibazo byinshi 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 cyane, nizere ko ubwo bizabazwa n'ubutaha n'ikindi gihe bizabazwa. Hanyuma rero sinzi niba hari abafite komanteri za nyuma na nyuma, otherwise ndabashimiye, ndabasezeye. Turi kumwe. Ewa, ni kanzu nari nambaye uyu munsi yari danje, nuko nyine mutayibonye. Yo, next time rero kuri show nzakora birthday party yanjye muri February. Tuzakora birthday party ewana the first Friday yo muri February, le 4 February cyangwa se 11 February. Mube mwiteguye ko tuzakora party hano, tuzaba turi gufeta anniversary yanjye. For once nzakora live yo gufeta anniversary yanjye. Mumbaze ibibazo, munkorere bombardement ya hatari, hanyuma munyohereze amakado. Abashaka kunyohereza, abashaka gufasha you and I talk show, dore PayPal, abashaka kumpa kado, naho ngaho muzampera kado. Ewa, nasigaye tubyine, nuko dutangire umwaka, dukomeze n'umwaka mu mahoro no mu byishimo. Iyi ni platform yo kwigiraho, yo gutekereza, y'ubwenge, y'imfura y'ikinyabupfura, y'ubwenge. Ni ishuri rwose. Niyo mpamvu dufite high standards, niyo mpamvu tuzana abantu bashaka kuganira nyine mu bitekerezo, mu bwubahane, mu mahoro, mu kinyabupfura. My people, kuko nawo ni umuco wa Kinyarwanda. Hari abantu bajya bavuga, ubundi hari bavuga ko kuvuga nabi cyangwa se kuvuga ibitutsi n'iki byose ni faiblesse intellectuelle. Rero kuko ushobora no kuvuga neza, ukavuga mu mahoro, ukavugana ikinyabupfura, kandi ibitekerezo byawe bigatambuka. Nawo ni umuco wa Kinyarwanda kandi mwiza cyane, kandi tugomba kuzakomeraho. Rero my people, ndabakunda cyane. Santiba moko mwese, mwakoze. Ebana, ndi kubabona ba Aime, Natasha, Rujeni, Claude Gateuche. Ebana, ndi kubabona. Rudatinya, ndi kubabona. Denise Mikanya. Nani uyu ari kuvuga ngo nimpaguruke tubirebe? Ekamaguruke gatoya yari hatari shabi kanzu nambaye shabu. Urayibona sitanga muyiwa. Denise Mikanya, see you, nice to see you kabisa. Simpagurutse sinubyiboneye, mwabyiboneye. Turi kumwe. Ndabakunda Santiba moko. Ikindi kintu nababwira kiri muri uyu mwaka ni uko
nanditse igitabo nanditse igitabo cya gatatu ubwo abantu batarasomana number 1 na number 2 rwose sinze I don't even know what to tell you gusa ndabagishimiye kubamenyesha ko igitabo cya gatatu narangije kucyandika kigomba gusohoka as soon as possible kigomba gusohoka as soon as possible ni nka suite icya mbere igitabo cyanjye cya mbere cyari therapy icya igitabo cya kabiri cyari igitabo cyo gufasha abandi nabo kubasha kwandika amateka yabo noneho rero iki gitabo cya gatatu cyo kizaba ari philosophy na spiritual freedom murabizi ukuntu nkunda ibintu bya spiritual freedom iki gitabo cya gatatu kizazana spiritual freedom you know kwibohora muri spiritualité hanyuma kinavuge no kuri spiritualité yacu spiritualité ancestrale mbega ibyo basenye kuko mubizi neza ko abaje bazanya amadini baje bafite ibyo basanga byiza barabisenye ibyo byiza rero basanze basenye nibyo ngibyo ngiye kuzura mu gitabo cyanjye cya gatatu bizaba ari liberation spirituelle spiritual freedom spiritual liberation kandi ni ibintu bikenewe no mu bunyarwanda cyane ntago abantu bazasoma iki gitabo bashobora kongera kuba oppressed ni spiritual freedom not just ku banyarwanda but for the entire world urumva se for the entire world nagushobora gusoma iki gitabo nzaba nabandikiye ngo wongere ube oppressed ntibibaho mbega you know hey yo crema I see you Eva dagari kazu Eva ariko nyine yahuye n'umuntu ngo w'umupadiri ni bare bibye bakanzu meza rondo no kore nuko doke my people ni byo ngibyo biriho uyu mwaka que langue donc le nouveau livre sera en anglais tous mes livres sont en anglais parce que c'est le plus grand marché et que je suis au Canada et puis voilà quoi Nuko murakoze 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 aha ya rero nyine uzaduha ariko ninzira kuko kugira wibohora ugomba gusobanukirwa exactly nze explica donc philosophie spirituelle yacu iyo gusobanukirwa niyo philosophie spirituelle nibyo bizazana ku kwibohora you know nuko rero my people ndabakunda cyane turi kumwe ahasigaye ubu ni vendredi ubu ngiye gushyiramo akazi iki n'ibyinire da ubu ngubu ngiye kubaza abandi bana hano niba tutari bubyine kuko kame mu murabyumva neza kwikazu nari bipfusha ubusa nuko rero my people murakoze cyane rwose ndabakunda sadi bamoko turi kumwe yo iby'amaguru rero byo sinzi niba mwayabona kubera ko amaguru ari kandi amaguru hano ari exposed ariko ntago bigaragara kuri kamera ko ari exposed da. Ariko yari ari exposed okay people birangiriyeho murakoze cyane mugire ijoro ryiza rwose turi kumwe turi kumwe mwakoze abantu mwakoze santu bamoko rwose naho ikindi gihe rero sinabangaga ciao